Cinterra, autrefois lieu de recueillement et flambeau de la piété dans l'obscurité, c'est aujourd'hui le théâtre d'un conflit comme elle n'en avait plus connu depuis des milliers d'années. Dans leur quête de connaissances et le but avoué d'éviter la chute du secteur Armageddon, les fils d'Aenarion n'avaient pas hésité à acquérir l'aide des sombres Drukhari. Quel que fût le prix à payer par Nemesia pour s'octroyer les services d'un archonte et de sa suite, fort à penser que cela dépassait ce que la santé mentale d'un homme peut décemment supporter. Et c'est ici, sur le monde sépulture de Cinterra, que les enfants de Komorag allaient jouer leur second acte, peu de temps après le massacre survenu sur Ogbi. Bien que tous ignoraient encore la nature du conflit qui sévissait dans le secteur Tullianum, le couvent des Sœurs de l'Assomption, présent sur Cinterra, avait demandé des renforts depuis déjà plusieurs semaines, au moment même où les orques survivants de Hercynia s'écrasaient sur Louange. Ainsi, il revenait désormais aux Sœurs de la Rose Sanglante fraîchement débarquées de défendre les cryptes de la mémoire contre les envahisseurs Drukhari. La chanoinesse Solinor, qui commandait le contingent, avait positionné ses escouades afin d'établir un cordon défensif autour des cryptes et repousser l'ennemi par la Sainte Trinité. Partout, les membres de la Sororita apprêtaient leurs armes, scrutant les ruines à la recherche d'un mouvement. Toutes en étaient certaines, restait à savoir depuis quelle direction. Encadrant la chanoinesse, un groupe de sacro-saintes présentait leurs boucliers aussi étincelants que leur foi, prêts à donner leur vie pour leur devoir, leur chanoinesse ou l'empereur lui-même. Le ronronnement du moteur d'un transport Rhino stationné à proximité n'était couvert que par le bourdonnement des réacteurs d'une escouade de Zéphirines qui se livraient à une combinaison complexe de manœuvres aériennes afin d'empêcher les rapides esquifs ennemis de passer au travers des lignes du Ministerum. Une fois encore dans ce récit, une question subsiste. Pourquoi ? Pourquoi les Drukhari attaqueraient-ils un monde pratiquement dépourvu de population ? Pourquoi ce sanctuaire précisément ? Ces questions, seuls Nemesia et ses proches fidèles en détenaient les réponses au moment de l'assaut. La réponse était finalement assez simple. Bien que Nemesia connaissait la nature de l'ennemi depuis le départ, du moins depuis le jour suivant le massacre des Black Templars sur Hercynia, elle ignorait désormais la position des installations depuis lesquelles ils dirigeaient leurs opérations. Elle espérait trouver dans les reliquaires des cryptes des indices ou des artefacts qui l'aideraient à retrouver ses ennemis, et une fois encore, prendre l'initiative sur les stupides forces de Mokkei. Là où le fil du destin s'était tissé de la plus belle des manières, c'est lorsque Arnir, qui dirigeait les Drukhari, se vit proposer les services de l'élite Hesperax et d'un groupe de ses suivants. Fort à penser que l'élite convoitait une relique présente dans les cryptes, peut-être même un des effets de Saint Marilius le Destitué, inhumé dans ce même sanctuaire. C'est donc à la fois l'archonte Arnir, accompagné de sa garde rapprochée d'Incube, figure de cruauté et de sadisme, et l'élite Hesperax qui mènerait le raid sur Cinterra. Kabalite, Fléaux et Gorgone allaient s'abattre sur le sanctuaire ouest dans un silence presque total, alors que loin, au-dessus de leur tête, les cieux s'illuminaient des débris de vaisseaux s'embrasant en pénétrant dans l'atmosphère de Louange. Le conflit était désormais général, et alors que le puzzle se mettait lentement en place, peut-être pouvez-vous déjà deviner où cela allait mener. Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui au studio, je reçois Marcus et Dr Fetus pour un rapport de bataille comptant pour la campagne slash tournoi Tullianum.
une guerre pour Tullianum, et ça, ça fait plaisir. Ce sera au format incursion. Et toi, tu vas jouer Sœur de Bataille et Drukhari. Le scénario sera Sol Sacré du Grand Tournament Chapter Approve Nephilim 2022, s'il vous plaît. Tout à fait, Thierry. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît? Alors, sur cette mission, on se déploie un peu en biais, parce qu'on n'aime pas quand c'est trop droit. On ne gagne des bonus de PC que si on garde notre objectif personnel. Bon, bien sûr, chaque joueur a son objectif à lui. Et ensuite, on a un objectif principal et un objectif secondaire de mission. L'objectif principal est simple. On contrôle un pion objectif, on contrôle deux pions objectifs, on contrôle plus de pions objectifs que son adversaire. Et pour le progressif, on va aller chercher les points d'objectif qui sont centraux, qui nous rapportent un point à chaque fois. Et si on perd son propre point d'objectif de départ ou si on va gratter le point d'objectif de l'adversaire, on va marquer quelques petits points supplémentaires. Et ça, ça se joue à la fin des tours de chaque joueur. Merci Père Blaise. On va rappeler tout de suite les secondaires de chacun. Marcus, tu as choisi défendez le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est bien, c'est parfaitement fluff. Sol sacré, c'est encore plus fluff. Et démonstration de foi. Bah oui, parce que bon, on est sœur de bataille, on est là pour montrer que la foi de l'empereur, hein, c'est pas de la gnognotte. Docteur Fœtus, tu as pris aiguiller les proies. Tout à fait, oui. Récupérer les données de Nephilim. Merci, les gars. Vous voyez que je suis très aidé ce soir. Et sur tous les fronts. La bataille se jouera sur un battle mat de la marque française Torek Accessories. Torek Accessories est un partenaire de la chaîne. Les liens et codes promo sont dans la description de cette vidéo. Ce rapport de bataille vous est présenté par ProxyWar, notre partenaire, et click29-hobby.fr. Click29-hobby.fr est un magasin physique à Landivisio, donc vous pouvez aussi les contacter et aller les voir. Et je vous rappelle que si vous êtes tipeur de la chaîne, vous avez moins 20% sur vos achats Games Workshop. On vous fait grâce du déploiement et on se retrouve tout de suite pour la présentation des armées et la bataille. Présentation de l'armée des Sœurs de Bataille de Marcus, c'est parti! Alors, dans mon armée à 750 points, format Finn Pain, je suis donc en Bloody Rose et je vais avoir 8 Zéphirines en frappe en profondeur avec la Zéphirine supérieure avec son pistolet à plasma et son oriflamme de Zéphirine. Dans le Rhino, j'ai 8 Célestes Sacro-Saintes avec la Sœur supérieure avec sa lance des pieux. Toutes les autres ont une masse sanctifiée. Et pour l'accompagner, j'ai ma Chanoines qui est avec pistolet Inferno et lame bénite, avec un trait de seigneur de guerre rage vertueuse et la bénédiction coup exultant. Et est-elle un nom, cette chanois? Je vous présente la Chanoines Solinor. Attention. Ensuite, alors, en troupe, on a une escouade de 10 heures de bataille de base avec un simulacrum imperialis, un lance-flamme normal et la sœur supérieure avec son combi fuseur. Très bien. On retrouve la petite escouade de 5 juste ici, pareil en sœur de bataille de base, mais elle, il y a un bolter storm d'artificier et la sœur supérieure a un bolter condemnor. La sœur supérieure qui est blonde, nous appellerons donc Brigitte. Exactement, rien à voir avec Bardot. Et dans le petit coin ici, on retrouve exactement la même configuration avec des sœurs de bataille de base, avec un lance-flamme, un simulacrum imperialis et la sœur supérieure avec son combi fuseur. C'est parfait. Et donc, il me reste 2 points de commandement puisque j'en ai utilisé un pour ma chanoines et son trait de seigneur de guerre. Eh bien c'est parfait Marcus, on se retrouve tout de suite pour la présentation des Drukhari qui sont déjà sur la table ici. Présentation de l'armée Drukhari de Erwan qui joue avec l'armée de la chaîne. Merci à lui, c'est parti. À toi Erwan. Oui, donc je vous présente une petite cabale de la langue venimeuse. Dans cette petite cabale, je vais avoir en frappe en profondeur, dans un premier temps, des fléaux qui sont ici, qui sont équipés de carabines éclateuses. Mm-hmm. On va passer de l'autre côté de la table. Yes. Dans un premier temps, nous allons avoir un petit
saccageur. Là-dedans, on va trouver une unité de 10 sérastes, équipée de pistolets éclateurs et de lames Ekatari. Ensuite, nous allons trouver Lilith, Esperax, dans le même saccageur. Ah ouais. Ah ouais, oui. Là, c'est le saccageur qui va tout saccager, quoi. Ça rigole pas. Ensuite, nous allons trouver un petit Venom. Dans le petit Venom, il y a mon Archonte. Le Archonte, il a juste une épée énergétique. Et dedans, on peut trouver également 5 incubes. Ok. À l'intérieur des ruines, nous allons trouver ici des Gorgones. Donc, ils sont de base. À l'intérieur de la ruine, je vais trouver des guerriers Kabbalites avec des fusils à éclateurs. Ils sont en nombre de 5. Et enfin, nous allons trouver une autre escouade de 5 petits guerriers Kabbalites équipés de fusils à éclateurs. Voilà, qui sont sur le point. Qui sont sur le point. Ce point qui est important parce que c'est celui qui rapporte des PC. Bah justement, parlant de PC, tu commences ta partie avec ? Je commence avec 2 PC. Eh ben, c'est très bien. On se retrouve tout de suite pour le jet le plus important de la V9, le jet d'initiative. On se retrouve pour le jet d'initiative entre ici, Marcus et ici, Erwan, entre les Drukirila et les Sœurs de Bataille là. Attention, c'est parti, qui est-ce qui va ? On a un 2, on a un 5, c'est donc les Sœurs de Bataille qui vont jouer en premier. On se retrouve tout de suite pour le round 1 et le tour 1 des Sœurs de Bataille. Puisqu'on est au début du premier tour, l'ami Docteur Fœtus, ça ne s'invente pas, va lancer ses drogues de combat, c'est parti. Donc voilà, je suis joueur, il me faut 2 drogues, je jette 2 dés, et du coup j'ai un 4 et un 2, ce qui me fait ajouter 1 à la caractéristique d'endurance pour mes sérastes, et ensuite le 2, ajouter 1 à la caractéristique de force. Donc tes sérastes qui sont... Ils sont dans le saccageur, voilà, auront plus 1 en force et plus 1 en endurance. Ok. Presque l'esprit de Marie. Et est-ce que tu as d'autres drogues ? Non, c'est tout ce que j'ai. Ok. On se retrouve avec Marcus pour son premier tour, le tour 1 des Sœurs de Bataille. Et ta phase de commandement, qu'est-ce que tu vas faire, Marcus ? Alors, juste avant mon tour 1, je vais donc préciser que je prends le rite sacré La Passion. La Passion. Ceux qui ne savent pas ce que c'est iront chercher sur Internet. Ensuite, je vais lancer mon premier dé de miracle. Parce qu'il faut faire des miracles dans ces cas-là. C'est un 5. Ok. Je vais ensuite gagner un point de commandement. Yes. Je crois que c'est ça. Et donc ça t'en fait 3. Okay. Puisque j'étais à 2 pour ceux qui ont suivi le début de la vidéo. Et je vais ensuite, dans ma phase de commandement, rien faire. À part désigner pour mon objectif secondaire quel va être le pion objectif sanctuaire que je vais devoir défendre. C'est... celui-ci. Ok, eh ben on se retrouve tout de suite après que tu aies effectué tes mouvements pour que tu nous expliques un petit peu ta tactique et ce que tu as voulu faire. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement du tour 1 de Marcus. Qu'as-tu fait, Marcus, s'il te plaît ? Et au début de ma phase de mouvement, j'ai donc décidé de réorganiser cette troupe. À la fin de leur phase de mouvement, j'ai engagé l'action Sol Sacré sur cet objectif. Je les ai laissés à l'extérieur de la ruine pour éviter de se faire trop canarder. J'ai déplacé mon rhino pour le mettre en position, bien hargneux, sur les chapeaux de roue. Ici, j'avais ma grosse unité de 10 que j'ai déplacée, pareil, pour éviter de me faire tirer dessus. Et la petite unité de 5 a pris sa place à l'intérieur, bien planquée, et au cas où il y ait un ou deux tirs à passer, même si, pour le coup, j'ai un petit doute. Yes, on rappelle que tous les bâtiments sont occultants, donc on ne peut tirer à travers les fenêtres en ligne de vue réelle qu'à partir du moment où on est dedans. C'est parfait, on se retrouve tout de suite pour la phase de tir des Sœurs de Bataille. Alors, on se retrouve après ta phase de tir, enfin pendant ta phase de tir, en fait, il n'y en a pas, parce que tu n'as aucune ligne de vue et tu ne feras pas de charge non plus. Non. Donc c'est tout de suite la fin de ton tour 1. Oui. Voilà, ça a été, c'était pas trop dur ce premier tour ? Je pense qu'elles sont un petit peu fatiguées parce qu'elles ont beaucoup bougé. Hein. Et on se retrouve tout de suite pour compter les points de ton premier tour pour voir où on en est. Bon bah voilà, on va compter les points. Je crois que j'en ai marqué 0. D'accord, bon, c'est pas grave, hein. C'est bien déjà. Oui, le tout c'est de participer quoi.
Bon, on rappelle quand même qu'à la fin de... Enfin, lors de ta prochaine phase de commandement, tu marqueras 5 points ici, puisque sol consacré, et que c'est pas entièrement dans ta zone de déploiement, puisque c'est une zone de déploiement comme ça. Et ben, c'est la fin du tour 1 des sœurs de bataille, qui marque donc 0 points pour l'instant. On se retrouve tout de suite pour le tour 1 des Drukhari. On se retrouve pour le tour 1 des Drukhari avec ici l'ami Docteur Fetus et ici Marcus. Marcus qui va tout de suite lancer son dé de foie. Un petit 2. Voilà. Un peu de diversité dans la chaîne. Voilà. Un petit peu de sud-américain dans la chaîne. T'es woke. Alors, je vous signale que ça tourne. Nous partons tout de suite sur la phase de commandement des Drukhari qui ne va rien faire. Bon, sur la phase de commandement, il n'y a rien à faire. Voilà. Donc on va passer par la suite à la phase. Non, non, mais quand même, tu as gagné un PC. J'ai gagné un petit PC. Ça t'en fait 4. Ça m'en fait 4. Et Marcus a gagné un PC aussi, ça lui en fait 4. C'est intéressant parce que c'est vrai que cette nouvelle mécanique n'est pas si évidente que ça, mais là, tour 1, vous avez déjà 4 PC. Alors, ça va se retrouver juste après ta phase de mouvement, puisque tu as décidé de rien faire à ta phase de commandement. Oui. Eh bien, à tout de suite. À tout de suite. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement des Drukhari, c'est parti avec Dr. Fetus qui va nous expliquer ce qu'il a fait. Alors, c'est simple, j'ai un petit peu bougé les cabalites qui sont là, je les ai mis bien à 6 pouces des bords de la table pour pouvoir faire mon action. Ils sont là-bas, ensuite j'ai bougé l'autre escouade des guerriers cabalites, ils étaient contre le mur, je les ai bougés plutôt vers cet objectif ici. Mon Venom, je l'ai déplacé pour être complètement caché dans la ruine. Et j'ai bougé mon saccageur afin de pouvoir tirer. Haha, et on se retrouve tout de suite pour la phase de tir. On se retrouve pour la phase de tir de Drukhari avec Dr. Fetus, c'est parti. Donc, je vais tirer avec mon saccageur. Donc, dans un premier temps, je vais déclarer les armes. J'ai ici une lance, il va tirer sur le rhino. Je vais avoir mes Cérastes avec leur pistolet éclateur qui vont tirer aussi sur le rhino. On va en faire 2. Ensuite, je vais claquer immédiatement 2 PC pour pouvoir blesser le tank à 4+. Donc ça s'appelle métallotoxine virulente. Ok. Alors, en réponse, je vais claquer le stratagème Saint-Fumigène qui permet de réduire les chances de touche sur mon rhino pour 1 PC. Et donc tu toucheras sur du 4+. 4+. Donc, mon premier tir de lance sur 4+, ça passe, 6. Ensuite, 8 de force... 7 dendu, 3+, ça baisse pas. Raté. C'est dommage, hein. C'est pas grave. Ensuite, je vais tirer avec les pistolets de mes Cérastes. Toujours sur du 4. Sur du 4+, c'est pas terrible. Donc, empoisonner 4+. Ah, c'était beau. C'est beau comme j'ai. Ah oui, magnifique. Pour 2 PC, rien. Bon, c'était bien ces 2 PC. Oui, tout à fait. On appelle ça les seins fumigènes. Hein. Pour ceux qui savent pas, je peux donner des cours. Ensuite, je vais claquer 2 PC pour pouvoir aller me cacher grâce au stratagème Jamie Mobile. Après réflexion, Dr. Fetus garde ses 2 PC et ne rebouge pas parce qu'il a tellement fait de la merde que voilà. Alors, au final, oui, voilà, ça logeait pas. Voilà, il pouvait pas monter ici, il pouvait pas aller là. Enfin, aller là-bas, c'était un peu compliqué. Donc du coup, je vais garder mes 2 PC. Voilà, bon, c'est la fin de ton tour, on va tout de suite compter les points. On se retrouve avec Dr. Fetus pour compter les points, il a marqué plein de points. Ça c'est fort les Drukhari. Alors ton primaire, 0, parce que on marque pas de primaire au premier tour. Secondaire de primaire, tu marques un point. Tout à fait, avec mon petit saccageur. Voilà, qui a pris ce point-là, donc qui est à l'extérieur de ta zone de déploiement. Ensuite, tu marques le secondaire de primaire des Drukhari, aiguiller les proies. C'est ça, aiguiser les proies ou aiguiller les proies? Aiguiller les proies. Aiguiller les proies, merci docteur. donc, puisque les sœurs de bataille ne sont pas dans ces 2 quarts de table-là, donc tu marques 2 points. Ensuite, tu as fait récupérer les données de Néphiline. Tout à fait. Même. Ici, donc ça va te rapporter à la fin. Et tu n'as rien fait d'autre. Non. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour un Drukhari. C'est déjà pas mal pour un Drukhari qui attend impatiemment le deuxième tour. Et justement, c'est parti. Pour le round 2 et le tour 2, eh bien, des sœurs de bataille. On
On se retrouve avec Marcus et ses sœurs de bataille qui va récupérer un point de commandement. Eh oui. Ça t'en fait 4? Je suis à 4. Dans le même temps, l'ami Docteur Fœtus récupère aussi un point de commandement, ce qui lui en fait 3. Et qu'est-ce que tu fais donc à ta phase de commandement, s'il te plaît? Un dé de miracle, comme d'habitude. C'est un 5. C'est bien ça. Et à la fin de ma phase de commandement, j'ai l'action Sol Sacré qui a été terminée. L'objectif est donc consacré avec une magnifique relique. Yes. Ce qui lui donne le trait de terrain exaltant. Tant que mon unité est à 6 pas, elle gagne plus 1 en point de commandement. Yes. Alors, tu marques aussi 4 points de primaire ici. Puisque je suis sur mon objectif A. Et je marque 5 points pour mon secondaire Sol Sacré, puisque j'ai réalisé l'action et que l'objectif n'est pas intégralement dans ma zone de déploiement. Et voilà, c'est presque parfait. On va se retrouver tout de suite après tes mouvements. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Marcus. Qu'as-tu fait, s'il te plaît? Alors ici, j'ai approché ma première troupe de sœurs de bataille tout en restant sur mon objectif A quand même, parce que c'est le primaire. J'ai mis un petit groupe dans les ruines pour qu'elles puissent avoir des lignes de vue. J'ai fait la même chose avec ma deuxième équipe de troupes ici même. J'ai déplacé la petite MSU de 5 unités ici, sachant qu'à la fin de leur phase de mouvement, elles entament l'action Sol Sacré sur cet objectif. J'ai débarqué mes Célestes Sacro-Saintes et ma Chanoinesse du Rhino, qui a fait une petite marche arrière pour être sûr de bloquer la bulle de TP potentielle des fléaux. J'ai pas envie de me la faire à l'envers par derrière. Et voilà pour mes mouvements. Eh ben c'est parfait, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. On se retrouve avec le grand, il est très grand, hein. Il passe carrément au-dessus des lumières. Et le normal. Pour la phase de tir des sœurs de bataille de Marcus, c'est parti. Yes. On va commencer par la première unité de troupes qui est ici. Donc on a 1, 2, 3, 4 tirs de bolter, un tir de fuseur et un tir de lance-flammes. Et quand même. Pas très compliqué, mais bon, faut que ça passe. Allez, oui. Et moi pour un PC, je vais claquer réaction foudroyante. Et c'est ça te fait moins un pour toucher. Donc ici, réaction foudroyante, on le connaît, ça fait un petit PC en moins pour les Drucari, il en reste 2. Sachant que je suis à 12 pas, donc mes bolters sont à tir rapide, double tir. Allez, c'est parti. Donc on est à 8 tirs de bolter. Et donc c'est sur du 4+, à cause de ces réactions machin truc. Ouh. Des questions? Non, j'aurais dû le laisser payer les pizzas. C'est ça. Je vais faire le nombre de touches pour mon flammeur. Que chouette. 6, messieurs, ok. Si tu veux jouer tout seul, tu peux descendre, s'il te plaît, merci. Bon, bah, que chouette. Alors, force 4 contre 2, 6 d'endurance. Ce qui nous fait du 5+, si vous suivez bien. Voilà, ça c'est déjà un jet un peu plus intéressant. Mignon, ça. Là, il y en a moins, là, déjà. Non. Ça fait 2 blesses. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pas de PA, donc 4+, 2 sauvegardes. Vas-y. Que dalle. 10 points de vie, moins 2, il t'en reste 8, et on continue la phase de tir. Avec le petit fuseur de la sœur supérieure, sachant qu'elle a déjà tiré avec son bolter, donc on est bien sûr du 5 pour toucher cette fois. 4, parce que tu peux pas avoir deux fois le malus. Et c'est vrai, donc c'est du 4 quand même. Et ça passe. Force 8. Mais bien ce dé. Force 8, c'est sur du 3+. Et ça passe encore un 6. Alors, pour le fuseur, c'est du PA-4. Donc du coup, moi, j'ai garde ma sauvegarde invulnérable à 5+, parce que c'est du tir. 5. S'encaisse. Ah, il était bien parti, mais là... C'est de là que ça vient, quand on dit ça va comme sur des roulettes. J'ai mon autre unité ici qui va faire exactement la même chose. Ils vont tirer tous les bolteurs, le fuseur de la supérieure et le lance-flamme, toujours sur le saccageur. Mais cette fois, je vais utiliser un PC pour la Sainte Trinité, puisque j'ai une arme à bolt, une arme à fusion et une arme à flamme qui touche. J'aurai donc plus 1 pour blesser. Yes, c'est parti. Allez, c'est parti. Et ben, on est toujours sur du 4+ pour toucher. Ah, c'est moins jojo, ça. Ah. 2 touches, force 4. Je rajoute les touches du lance-flamme. Ah oui, quand même. Ah, c'est un petit 1. Ça fait 3 touches, force 4, endurance 6, mais ce sera sur du 4+, parce que t'as plus 1 pour blesser. Exactement. Et bien, ça fait une sauvegarde. Un PA. PA 0. Allez, 4+. 1, 3.
Je perds encore un PV. Et on continue avec le tir de fuseur. On va claquer un PC pour Fureur et Foi qui me permet d'utiliser un D de miracle pour toucher et blesser. Aïe 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 aïe. Sauvegarde à 1 vue s'il vous plaît monsieur. Allez, à 5. L'empereur. 2. Je choisis de prendre un PC pour relancer. D'accord. Oh. Et non, l'empereur est là. Et voilà. Dommage. Nous avons analysé leur attaque et je crois qu'il y a un danger. C'est parti pour D6 parce que t'es à plus de 6 parts. Ouais. 4 points de vie, il lui reste 3 points de vie, ce petit ravageur, c'est ça non? Tout un saccageur. Alors, le tir du Bolter Storm du Rhino sur le saccageur. 4 tirs, c'est parti. Allez. Sur du 4+. 2 touches. Sur du 5. Et rien du tout. On continue et on enchaîne avec ces... Célestes sacro-saintes qui vont tous tirer avec leur petit pistolet Bolter. Ça fait 8 tirs sur du 3, sur du 4, pardon. Et toujours ce moins 1 qui traîne. Ouh, joli tir, Johnson. Ça fait 5 touches sur du 5. C'est là que ça pose problème. Mais non. Voilà. Hop. Allez, 2 sauvegardes. 2 sauvegardes, pas de PA, c'est parti. 2 sauvegardes à 4+, pour... Hop. Pour ce saccageur. Hop. Et ben non. Et il reste 1 point de vie. 1 point de vie. Et il n'a rien à craindre de la part de ta pitoyable petite bande. Alors Marcus, reste un tir. Il me reste un tir, pistolet Inferno de la chaîne Oneness, sur le saccageur. Mesdames, messieurs, c'est parti, c'est sur un 2+. 3+, parce que t'as moins 1. Ça touche quand même. Force 8 du pistolet Inferno. C'est parti. Sur du 3. Oh, ça blesse. C'est un 5. Mmh. Un vu à 5. Attention, il n'y a plus de PC. Tu sais que tu me stresses, toi. Et donc, on est parti. On va tout de suite regarder si ça explose. On va le faire dans la foulée. Même si normalement, c'est pas comme ça que ça se fait. Allez, un petit 6. Non, ça explose pas. Et donc, tu as 11 figurines. Donc, tu vas lancer tout de suite 11 dés. Donc, les 11 figurines du saccageur, c'est parti. Il faut pas faire de 1. Et pas de 1 seul. Un seul. Ça fait une. Une petite Seraph morte. Avec cette belle destruction, c'est la fin de la phase de tir des sœurs de bataille. On se retrouve tout de suite pour la phase de charge. On est parti pour la phase de charge. Ici, elles vont les sacro-saintes, hein, c'est ça, vont charger sur les sérastres. Les sérastres. Et on est parti, c'est une charge à 7. Allez, une charge à 7. Que demande le peuple? La joie de vivre et le jambon. On continue les charges avec la chamois qui se lance dans la bataille. C'est une charge à 7 aussi. Qui va utiliser un dé de miracle sur la charge pour faire un 5. Il faut un petit 2. Il s'appelle... Et non, un petit 1. J'utilise un PC pour relancer le dé qui a raté. Allez, allez, allez. Et que ça ne me fasse pas un nouveau. Hein. Non. C'est bon. Non, pas. Ça chasse. Après ton mouvement de charge, eh bien, il va y avoir intervention héroïque de l'élite Esperax. C'est parti, puisque tu es dans les 3 pas. Hop. On vient s'encler la chanoie. Et ça vient s'encler la chanoie. Et on passe tout de suite à la phase de combat. Après l'engagement des sœurs de bataille, c'est parti pour les 21 premières attaques des 7 premières. Célestes sacro-saintes avec leur masse sanctifiée sur les sérastes. C'est parti, c'est du 3+, messieurs dames. Et crac! Il manque. Et bah tu peux en relancer un. Bah voilà. Hop! Alors relance des 1 pour toucher avec la chaîne Oneness. Ça fait 20 touches, ça va faire mal. Je suis en rite sacré, la passion, tous mes 6, rajoute une touche. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 19 touches plus 6, ça fait 25 touches, on va déjà en lancer 20. Force 5, endurance. 4. 4, oui. À cause de ma drogue. Et là, ça nous fait du 3+. Et bon. Bon, bah, je crois que c'est mort. Ça fait 16 sauvegardes invues à 4+, pour mes amis et Sérastes. On loupe 1, 2, 3. Bon bah 8 morts, c'est stat, et il en reste donc une. Alors on attaque avec la lance des pieux de la sœur supérieure des Célestes. Ça touche sur du 3. Relance des 1 pour toucher grâce à la chanoinesse. Et c'est un full. Et c'est un 6 qui me rajoute une touche. Ah bah, il n'y en avait pas assez. Avec ceci, vous en reprendrez bien un petit peu. C'est sur du 3+, pour blesser. On blesse sur du 3. Oh bah c'est joli ça. Allez, 4 sauvegardes invis, c'est parti pour Dr. Fetus. Attention. Allez, on y croit.
Eh ben, on n'y croit pas. Eh bien, elles sont whippées. Après ton mouvement d'engagement, eh bien, ici, ta chanoine ne peut pas... Bah, elle s'active, mais elle peut rien faire de particulier, puisqu'elle n'a pas de cible, elle n'a pas chargé l'élite Espérax. En revanche, l'élite Espérax qui a fait son intervention héroïque, elle s'active, et donc tu vas pouvoir taper soit sur la chanoine, soit sur les troupes, et tu choisis de taper sur... Les troupes. Oui, parce qu'il faut au moins que t'en tues une pour pouvoir t'activer une deuxième fois. Ça te fait 7 attaques sur du 2+. C'est parti. Donc ça nous fait 5. Touche. C'est parti. Force 4. Endurance 3. Sur du 3+. Et bien ça fait 2 sauvegardes invulnérables. 2 sauvegardes APA moins 3. 2 sauvegardes invulnérables à 4. T'es un PC. J'utilise donc un point de commandement. Pour un 4, et là ce serait vraiment le seum pour l'élite Espérax qui pourrait pas taper une deuxième fois. Oh, raté, mais c'était c'est bon ça. Donc t'as une perte, c'est vraiment très faible. Mais du coup l'élite Espérax va pouvoir taper une deuxième fois. Donc on va faire un mort. Adieu. Adieu fille. Et l'élite va taper sur qui? Pareil, sur les sacro-saintes. Allez, c'est 7 attaques. Sur du de plus. Ensuite, on va blesser sur du 3+. Et du coup, ça te fait. Hop, ça te fait 4 sauvegardes, PA-3. 4 sauvegardes à 4+, invulnérable. Comme d'habitude, on tape sur les boucliers. Allez, filles. C'est nul. C'est pas bien, les filles. Faut mettre le bouclier devant, pas derrière. 3 morts. J'ai pensé, elle a trouvé quelqu'un pour garder les chiens. Et maintenant, elle vient foutre la pagaille, cette nymphomane. Après le combat, l'élite Espérax qui était ici est venue se mettre ici puisqu'elle a le droit de faire un mouvement de 6 pas en consolidation, c'est totalement pété et donc elle peut, elle peut se balader un peu où elle veut, donc elle se désengage, elle se met derrière pour mieux recharger après et on arrive tout de suite à la fin du tour des sœurs de bataille et on va compter les points. Alors ici j'ai détruit l'unité de Céraste, ce qui me permet de récupérer un dé de miracle, c'est un 6. Et ben alors. Et justement, puisque c'est ta phase de commandement, enfin de commandement, c'est ta phase de morale, pardon, je vais y arriver, et ben là, tu vas utiliser un 2 de morale. Mon dé de miracle est utilisé pour réussir mon test de morale. Ouais, il le dit tellement mieux que moi, je pense que c'est lui. Je vais laisser faire, désormais. Oui, tu fais bien. On se retrouve tout de suite pour compter les points. Foiré. On se retrouve pour compter les points avec Monsieur Marcus, qui a marqué pas mal de points à nous montrer ça. En tour 2, on était là pour faire du point. Alors... L'objectif progressif de la mission, j'ai deux objectifs centraux, ce qui me permet de marquer 2 points. Au niveau de mon objectif secondaire personnel, démonstration de foi, j'ai fait 3 actes de foi, c'est mon tour, je gagne 2 points à nouveau. Yes. Et ensuite, j'ai ici mon sanctuaire, je le défends, je gagne 3 points. Eh bien, félicitations, et en plus de ça, tu es en train de faire l'action, il faudra qu'il reste en vie pendant encore un tour. C'est parfait, on se retrouve tout de suite pour le tour de Dead Rokari. On se retrouve pour le tour des Drukhari. Alors, on va quand même noter que les Drukhari, là, puissance par la souffrance, tu récupères Advance et Charge et toujours ton invue à 6. Tout à fait. Hein. C'est pas mal, t'as vu? Mais je suis quand même les Drukhari. Hein. Et là, tu vas lancer un dé de fois, Marcus. Et le petit dé de miracle. C'est un 2. Oui, ça te servira pour ta phase de commandement. Exactement. Pendant cette phase de commandement Drukhari, vous allez tous les deux récupérer un point de commandement. C'est fait. Et tu vas marquer 4 points parce que tu détiens ce point-là. Et puis c'est tout pour l'instant. On se retrouve tout de suite après tes mouvements. On se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Qu'as-tu fait, docteur? C'était ça. Alors, c'était très simple ou très compliqué, ça dépend des gens. J'ai sorti les incubes du Venom. J'ai sorti également l'Archonte. Ensuite, ici... Les Vrax, ils ont sorti de la ruine pour se mettre au milieu, bien caché comme il faut. J'ai bougé le Venom ici pour pouvoir tirer. Après, au niveau de cette ruine-là, j'ai fait Advance mon premier pack de guerriers cavalites. Et le deuxième, il se colle contre la ruine pour pouvoir tirer. Et t'as oublié de bouger ton élite Espérax où tu voulais la bouger. Et mon élite. Et ton élite qui devait se déplacer ici pour charger les sœurs. Tout à fait. Eh bien c'est parfait, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir.
À la fin de ta phase de mouvement ici, tu vas déclarer l'action des données de Néphiline pour pouvoir marquer des points. Ça, c'est plutôt bien joué. Et ici, tu as repositionné l'élite parce qu'elle a énormément de mouvement, donc elle pouvait tranquillement le faire, pour te mettre dans l'axe ici pour pas prendre de tir de contre-charge. On se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Donc maintenant, au niveau de ma phase de tir, je vais tirer avec mes fusils éclateurs sur les petites sorts qui sont sur l'objectif. Mm-hmm. Je vais toucher à 3+. Mm-hmm. Voilà. Et je vais blesser à 3+, parce que mes armes sont empoisonnées. Et oui, grâce à ton trait de cabale. Mon trait de cabale, 1+ pour touche, pour blesser. Et du coup, 3+, tu as 6 sauvegardes. PA, ça fait même 7. 7 sauvegardes. 7 sauvegardes. Ouais, mais tu as les Drucari. Pas de PA. Pas de PA. 3+. Allez, c'est parti. On continue la phase de tir avec ici... Le Venom. Qui va tirer sur les sorts de bataille. Tout à fait, avec deux armes, donc le canon éclateur lourd de 3 et le fusil éclateur jumelé, tir rapide 2. Ok, c'est parti pour le lourd de 3. C'est sur du 3+. Ok, 2 qui touche. 2 qui touche. Ensuite, arme empoisonnée, donc toujours sur 3+. Voilà, chier. C'est parti pour la suite. Ensuite, il me reste quand même les fusils éclateurs jumelés. J'ai 4 tirs parce que je suis moins de 12 pas. Vas-y. Sur le 3+. Hop. Il y a 3 qui passent. Empoisonné 3+. Empoisonné 3+. Ah, c'est un petit peu mieux. Deux petites sauvegardes, pas de PA. Deux sauvegardes à 3. Allez les filles. Allez, c'est le moment. C'est bon. Il reste la sœur supérieure. Je continue ma phase de tir. Il me reste encore l'Archonte avec son pistolet. Éclateur sur du 3+, ça passe. Ensuite, arme empoisonnée sur 3+, ça passe. Il a une sauvegarde à PA 0 sur les 5-60. Facile. Pour eux que je fasse pas de 1. Faut les appeler comme ça, c'est risqué. Moi j'aime le risque. On passe tout de suite à la phase de charge car le Drucari a fini tous ses tirs si je ne me trompe. Tout à fait. C'est parti avec nos deux amis et c'est la phase de charge. Des Drucari, on va commencer tout de suite par ici, avec une charge des Cabalites sur la sœur de bataille, c'est une charge à 10, on a mesuré, c'est chaud de la fesse. Tout à fait. Tout à fait. Allez, vas-y. Oh, on va se rattraper avec les incubes. Ça devrait aller, les incubes. Petite charge à 2. Ah, c'était chaud quand même. 6. que je déclare la charge sur les sacro-saintes. Tu feras attention, il y a un personnage derrière quand même. On continue la phase de charge avec l'Archonte. Sur qui charge, s'il te plaît? Sur les Célestins, Sacro-Sainte. Ok, bah vas-y. Et donc, petite charge 1-4. Voilà, donc t'as bien fait de pas charger la Chanoa, sinon t'aurais raté ta charge. Et ici, notre ami Marcus a quelque chose à nous dire. Donc les Célestes Sacro-Saintes vont avoir Gardienne de la Foi, elles vont maintenir leur position, ne pas faire de tir de contre-charge, et elles auront moins 1 pour être touchées au cac. Yes, et tu vas faire un petit test de commandement parce que tu as été chargé, même si c'est pas... important, mais tu es quand même obligé de le faire. Si tu le rates, tu auras Fight Last. Tu le réussis. Et de toute façon, l'Archonte va donner Fight Last à l'unité ici de Sacro-Sainte. Tout à fait. Tout à fait, oui, tout à fait, Thierry, tout à fait. On continue avec l'élite Esperax qui charge les sorts de bataille. Donc, c'est une charge à 3. Bah, c'est une charge où tu lances les dés. Voilà, 11. Bim. Le mouvement de charge de Lady Tesperax est fait et on passe tout de suite à la phase de combat. Petite notification de l'ami Marcus. Alors ici, les Célestes Sacro-Saintes utilisent Gardienne de la Foi, ce qui leur permettra d'avoir plus 1 pour toucher au corps à corps, si elles ripostent bien sûr. Et si elles sont encore vivantes, évidemment. C'est parti pour les attaques des incubes. Ça va faire 26 attaques avec le chef, on va déjà en faire 20, c'est sur du 2+. Relance des 1 à cause de l'Archonte. Ouais quand même, c'est stable hein, comme dirait mon ami. Erwan. Attention, il y en a un autre 1, Erwan. Ah, et tout à fait, tout à fait. Hop. Voilà. On relance 1, magnifique. 18 donc, touches. Donc, 4 de force, 3 d'endurance. Sur du 3+. Et c'est PA, moins 3. Pour 1 dégât. C'est parti pour les sauvegardes invulnérables, puisque c'est de la PA, moins 3. C'est du 4+. Allez, on y croit. Allez, les filles. Oula, c'est tout pourri comme j'ai 1, 2, 3, 4, 5 mortes. Au revoir. Ok.
On passe tout de suite à l'élite Esperax ici qui a l'intention de, bah, de se venger sur ses pauvres petites sœurs qui ne l'ont rien fait. Allons-y mes sœurs. C'est parti, 7 attaques sur du 2+. Go. Bim bam boum. Pas sûr de 1, ça fait 6 qui passent. Sur du 3+, pour blesser. Ouais. Voilà. 3+, PA moins 4 pour les 6, PA moins 3 pour les autres. Que chouette. Bon bah que chouette. On est prêt? Allez, sauvegarde à 5+, sur celles qui ne font pas trop mal. Pas trop mal, pas Et trop ici, mal. On tente les invulnérables. Bouclier de la foi! Regardez qui passe! 3 mortes! En fait, l'élite Esperax, c'est un petit peu comme les Big Boss Orc. Ça n'arrête jamais de taper. C'est parti pour 7 attaques supplémentaires. 2+! Ah, 3-1! Chez! Non, mais lui, c'est un genre qui se donne aussi. Il se l'est toujours un peu pété. 3+? Oh les jets de merde. Bon, ouais, c'est fait une petite sauvegarde à 5 pour Marcus. Regardez, le bras, il est là. Coucou. Ah non. Ah, raté. Ça fait une mort supplémentaire. Alors ici, mes sœurs de bataille vont contre-attaquer. Je me suis fait charger. En tant que rose sanglante, j'ai plus une attaque. On va donc lancer 13 dés sur du 4+. Et les 6 explosifs. Quand même. On t'a fait des 1. Oui, bah c'est... Pour lui laisser un peu de chance. Ouais. On a 3-6, on rajoute 3 touches. Et 9 touches. Force 3, endurance. 3 sur du 4. Alors les filles, faut se motiver, mais bon, quand même, 3, sauvegarde. À moins 1. Et oui, parce que j'ai été chargé. Donc, comme on n'a pas de vêtements, sauvegarde à 4+, invulnérable. 2 réussis, je me prends un PV. Il te reste 5. 4. À la fin de cette phase de combat et avant de se retrouver pour compter les points, on va faire les tests de commandement. C'est parti! Attention ici, un petit test de commandement. Ah, des miracles, c'est réussi! Et ça, c'est bien juste, ça va rapporter beaucoup de points. Et ensuite, ici, on a simplement un petit dé à lancer pour réussir. Magnifique! Sachant que j'ai fait un 1 pour réussir un test de moral. Donc, ceux qui connaissent les sœurs de bataille savent que je gagne un dé de miracle. Voilà, ça il te resservira de gagner un autre test de commandement. C'est parfait, on se retrouve tout de suite pour compter les points. De retour avec Dr. Fetus. Cette game. Non mais pas une pas possible d'avoir un pseudo pareil. Allez, c'est parti pour compter les points. Tu marques 2 points de secondaire, de primaire, parce que tu as ce point-là, donc ça te fait 1 point. Tu marques sur tous les fronts à 2 points, puisque tu es ici, ici et ici. Qu'est-ce que tu marques d'autre? Tu marques aiguiller les proies. Tout à fait. Puisque il n'est pas dans ce quart de table-là, donc ça te rapporte 1 point. Et est-ce que tu marques d'autres choses? Non, c'est tout. Mais tu as fait tes données de ici. Néphiline. De Néphiline. J'allais dire Doctarius, mais j'avais un mètre de retard. On se retrouve tout de suite pour le tour 3 des Sœurs de Bataille. On se retrouve pour le tour 3 des Sœurs de Bataille. Déjà, le tour 3, oui, c'est l'intérêt de ces petits formats, ça va vite. On va tout de suite passer à ta phase de commandement, s'il te plaît. Tu vas marquer 8 points déjà de primaire. Ici et ici, j'en ai 2, mais j'en ai pas plus que mon adversaire. Donc 8 points. Ensuite, au niveau de ce point-là, j'ai marqué Sol Sacré, puisqu'on est à la fin de ma phase de commandement. Je vais marquer 5 points. Et on verra à la fin du tour pour le reste des points de secondaire, et je vais lancer mon petit dé de miracle. C'est un 2. Bon, ça peut servir, on l'a vu. Et vous allez tous les deux récupérer un PC, ce qui veut dire, Marcus, que t'en as 2, et que Dr. Fetus en a 4. 4. Dr. Fetus, que nous appellerons exclusivement Pedro, désormais. Et oui, parce qu'il est d'origine péruvienne. Faut savoir. Est-ce que c'est tout pour ta phase de commandement, mon cher? Affirmatif. Eh bien, on va passer tout de suite à ta phase de mouvement et on se retrouve tout de suite après. Avant de te retrouver pour la fin de ta phase de mouvement, tu vas essayer de te désengager ici. Et comme il y a l'élite, eh bien, essaye de faire un jet de dés. Vas-y. Alors, le plus grand, si tu veux pouvoir te désengager, bah, il faut que tu fasses mieux que notre ami Fetus. 2. Ah, c'est pas beaucoup, 2. 5. Bah, tu bouges pas. Tu peux pas, dit-il. Je crois que c'est raté. Je suis content. On se retrouve donc pour la fin de la phase de mouvement où il s'est passé moult choses. Peux-tu nous expliquer ça, s'il te plaît, Marcus? Mais c'est tellement passé de choses que le Rhino, lui, il a pas bougé. Elles ont voulu battre en retraite et vous avez vu, bah, j'ai pas pu. J'ai fait arriver mes Zéphirines
au rez-de-chaussée, mais bon, le problème, c'est qu'ils ont des fixes qui font 18 pieds de long, donc on peut pas toutes les faire rentrer. Non, et puis en plus, pour la beauté du geste, on les a mis en haut, parce que c'est vrai que on peut pas charger, en théorie, en volant, donc c'est un petit peu moche, donc on les a bien mis comme ça, c'est vachement plus joli. Donc ce sera une charge à 9. Ici, j'avais ma Shenron S qui a fait une Advance à 6, elle s'est retranchée, j'ai déplacé... Non, elle a fui. Oui, elle a fui. Non, mais c'est un terme technique que j'aime pas trop. Ici, j'ai fait sortir ma troupaille, qui est un petit peu sur l'objectif, un petit peu à portée des incubes. La survivante, elle a pas bougé. On est bien, on est prêt. C'est la foi, c'est l'empereur. Ok. Bon, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Et tu ne fais pas d'action. Je n'ai pas d'action. Phase de tir des sorts de bataille. Alors, ma petite escouade de troupes va tout tirer sur les incubes. J'en ai 5 pardon, qui sont à mi-portée plus le lance-flamme et les 4 autres en bolter. Ce qui nous fait un petit paquet de tirs, les amis. J'aime autant vous dire, ça va défourailler. Je vais claquer un petit stratagème. Réaction. Éclair. Éclair. Réaction. Point PC, moins 1 pour la touche. Il te reste 3 PC, c'est parti pour les tirs, ce sera sur du 4. Du 4. Allez, je veux vous entendre, vous êtes avec moi, c'est parti. Oh, c'est 20. Ouais, c'est sympa, j'aurais préféré avoir des 1 parce que je relançais. Ah oui, c'est vrai, grâce à la chaîne qui s'était mis ici, au bon endroit. Ok, je fais la touche du lance-flamme, 1D6. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va se passer là, vous êtes prêts? C'est 3. Tout ça, c'est force 4 sur l'endurance de 3, c'est sur du 3+. Exactement. Combien va passer? Tout. Ah non, ce qui compte, c'est d'y croire. Hein. Mais exactement. Un peu comme le loto. On est prêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sauvegarde, normal. Des sauvegardes à Tourlus. 8. 8. Tiens. Il y a 3 morts. Alors ici, on enchaîne avec le bolter du Rhino directement sur les incubes. On est toujours sur du 4+. T'as fait 2 touches, c'est parti, c'est sur du 3+ pour blesser. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes. T'as fait à combien? Y'a pas de PA. Toujours pareil. 3+. Oh, ça tente nul. Et voilà. Et voilà, ici. Voilà. Et on va faire un dernier tir de la survivante. Un petit tir de bolter. C'est jamais sur un malentendu. Ça touche. Ah non, mais elle, c'est... Ça blesse. Allez, une petite sauvegarde encore. Normal. Ah, ça tanque. Yes. On enchaîne ici avec 6 tirs de pistolet volteur au corps à corps sur l'élite Esperax. On touche sur du 3, messieurs dames. C'est pas mal. Force 4, endurance 3. On blesse sur du 3. Et ça fait 4 sauvegardes. T'es méchant. 4 sauvegardes, un 4+. 4+, un vu. Et 2 points de vie de moins. Il ne reste plus que 2 points de vie. 2 points de vie. On passe maintenant à la phase de charge, monsieur. Absolument. On a les Zephyrin ici qui vont déclarer une charge sur l'élite Esperax. C'est pas compliqué, c'est une charge de 9. Déjà, on va réussir à faire un 6 avec un dé de miracle. Et bah là, on va bien voir. Hein. Eh ben oui, c'est réussi. Ouh, charge à 12, monsieur. Et moi, on se retrouve une fois que t'as chargé. Ça va chier. Ça va chier. Un grand guerrier. Personne parlait d'air, ne devient grand. On passe à la phase de close et c'est parti, la grosse phase de combat qui va avoir lieu ici. Et il y en a 5 qui peuvent taper, ça fait 16 attaques, plus la chef. On va commencer par les 16 attaques sur l'élite Esperance. Sachant que j'ai moins 1 pour la toucher, ça va être sur du 4. Avec des 6 explosifs. Est-ce que quelqu'un voudrait un petit peu plus? 1, 2, 3, 4. Ça s'est retiré. Et ça s'est retiré parce qu'on veut rester quand même un petit peu civilisé. C'est parti. Force 4. 14 touches. Force 4, endurance 3, c'est sur du 3. C'est parti, messieurs dames. Allez, c'est parti pour la sauvegarde d'un V1 4. Il faut que tu réussisses tout ça. Il te reste 2 points de vie. C'est stat. Ouh. Oh là là. Oh, malheureux. C'est juste. Comment te dire ça? Je vais peut-être relancer un petit peu. Allez. Un PC. Allez. Alors vraiment pour l'humiliation. Il t'en reste 2. Allez. 4. Ouais. Il reste 1 point de vie et encore la chef à taper. On continue après ce jet de sauvegarde incroyable et cette 5 attaques de la sœur supérieure. Sur du 4. Heureusement, j'ai mon 6 explosif.
magnifique. Sur du 3. Ah, le double 6, celui-là. Il vaut rien, mais il fait plaisir. Bon, est-ce qu'on peut attendre un miracle, au nom de Dieu? Yes, ah, le nom de Dieu était en trop, à mon avis. Ouais. Pour quelqu'un qui a été élevé chez les frères. Donc l'élite meurt. Et ça y est, elle est morte. Merci d'avoir fait le sale travail. Malgré l'outil dont je dispose, je n'aurais pas fait mieux. Alors avant de passer au comptage des points et après cette phase de combat, on passe tout de suite à la phase de morale. Ici, tu as un commandement de 8 normalement et t'en as perdu 3, donc faut pas faire un 6. Et ne le fais pas, il reste tranquillement. On passe maintenant... Bah tu vas lancer ton dé de foi puisque t'as détruit une unité. Exactement. Ce sera 1-1, parce que j'aime les 1. Oui. J'allais dire, bon, bref. Ok, et ben on se retrouve tout de suite pour compter les points. On se retrouve à la fin du tour 3 des Sœurs de Bataille avec Marcus qui va marquer plein de points. Ici, j'ai réalisé mon sol sacré, je vais donc marquer 5 points, sachant que je défends le sanctuaire en même temps, le mec est pas idiot, il marque 3 points de plus. Sur l'objectif progressif de la mission, je marque un petit point parce que ici, c'est chez moi. Je s'appelle Groot. Et voilà. C'est bien déjà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. On se retrouve tout de suite pour le tour 3 des Drucari. On se retrouve pour le tour 3 des Drucari avec monsieur Dr. Tatis qui est là et monsieur Marcus qui est là. Et Marcus, tu vas récupérer un point de foi. Le dé de miracle. C'est un 6. Pas loin, c'est un 5. C'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Alors, Dr. Fetus. Oh, vraiment que tu changes de pseudo. Pedro, tu vas gagner 8 points parce que tu as ces 2 points là. Tac, tac. Oui. T'avais fini ton action juste avant tout ça pour les donner, c'est parfait. Et est-ce que t'as d'autres choses à faire à ta phase de commandement? Rien d'autre. Tu vas récupérer un PC et Marcus aussi. Tu m'étonnes, c'est fait. Marcus est à 4 et docteur, le docteur est à 3. Viens voir le docteur. Et puis on se retrouve tout de suite après tes mouvements. Fin de la phase de mouvement des Drucari qui a été intense, c'est parti. Peux-tu nous expliquer ça, s'il te plaît, Pedro? Tout à fait, on va commencer par la gauche. Donc ici, il y avait une unité de Rax, et je les ai mis dans le Venom, et ils ont volé jusque là-bas, jusqu'à l'objectif, pour l'intention de tirer les sœurs avec ses armes. Ensuite, j'ai bougé ici mon Archonte avec les Intuits, j'ai réalisé une Advance. Ils viennent se planquer contre le mur pour éviter le tir en contre-charge. Alors, tu as fait une Advance, on rappelle, de 6 avec, ou de 5. Pardon, avec l'Archonte, et tu as fait une advance de 1 relançable 3 avec les incubis. Tout à fait, ça m'a coûté un point de commandement. Ensuite, j'ai fait venir, en frappe en profondeur, mes fléaux, qui vont essayer de verrouiller quelques sœurs au tir. Et c'est tout pour ma phase de mouvement. Et c'est déjà pas mal, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Début de la phase de tir, c'est parti pour les Drucari avec les guerriers de Kabalit qui sont ici, qui vont tirer sur les sœurs qui sont là. Il y en a 3 qui sont à mi-portée et 2 qui sont pas à mi-portée, ça fait 6 et de 8 tirs sur du 3+. Voilà, voilà, voilà. Donc du coup c'est 2+. Ok, donc maintenant c'est empoisonné. 3+. Allez. Oh, le jet de merde. Ok, bah t'as une sauvegarde à 3+. Ça va aller, Marcus? On sait pas. Allez, là. Attends. Moi, je ne vends pas la peau de... Enfin, vous voyez, quoi. Ah bah si, c'est bon. Bah, tu vois. Les gars, vous êtes nuls. La suite des tirs des Drucari ici vont tirer dans l'unité de sœur qui est là. C'est toujours sur du 2+, parce que t'as plus 1 pour toucher. Ça fait 5 tirs, c'est parti. Allez, go! Et ça fait 4 touches et c'est empoisonné 3+. Allez, on y va! Hop. Et c'est... Ah, 4 c'est sauvegardes cette fois-ci! 4 sauvegardes à 3+ pour l'ami Marcus. Attention, que va-t-il se passer? Je ne sais pas, j'en bafouille, à mon ami. Oh, j'en rate une! C'est nul! Oh, pas mort. C'est lui, le tueur. Et il s'est fait coincer par la tapette géante. Donc, le Venom va tirer sur la grande escouade avec ses canons éclateurs. Donc, c'est lourd de 3. Sur du 2+. Bon, 3+, parce que les véhicules n'ont pas la règle. Ensuite, cette arme empoisonnée sur du 3+. Il y en a une seule qui passe. PA, moins 1. Donc, PA normal, puisque... Armure du mépris, je te méprise.
Et je rate. Ça va maîtriser un tout petit peu moins. Ça, c'est, hein, ça, c'est le fameux complexe du mépris. Ensuite, on va continuer par le fusil éclateur, jumelé. Donc, j'ai 4 tirs. Tir rapide, 2. Vas-y. Sur 3 plus. 3 plus. Hop. Allez, 3 plus à nouveau. 3 plus à nouveau. Et 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à 3. C'est parti. Bon, allez, les filles, on arrête. Parti. Non, mais... Et une petite morte. Ça va, quand même. Ça valide un peu tes unités de 10, quand même. N'est-ce pas? Tiens, elle est morte. Mais elle est où, sœur Suzanne? Bah, elle prépare le thé, mais il y a un truc qui lui a pété à la tête. On continue cette phase de tir avec les fléaux qui sont ici, qui vont tirer avec leur... Fusil disrupteur, le truc arrive. Qui font 3 D3, enfin chacun fait D3 tirs. D3 tirs, et T plus de 6, on est plus de 6 chez les sorts de bataille, donc c'est déflagration, donc ce sera forcément 3, ça fait 9 tirs sur du 3 plus qui passe à 4, qui repasse à 3, puisqu'on est tour 3, et c'est parti. C'est sur D3, 9 tirs, c'est parti. Et ça fait 7 touches, et qui vont blesser sur du 4 plus, puisque c'est force 3, mais c'est PA moins 3. Et on enchaîne. Allez. Donc, 2 sauvegardes à PA-3 qui passent à PA-2. On passe à une sauvegarde de 5. Est-ce que vous êtes prêts? Tour de magie. Une morte. J'avais dit, regardez, tour de magie. Ouais. On continue avec les fléaux, avec les carabines éclatos qui font assaut 3. Ça fait 6 tirs. Là, il n'y a pas de malus, donc ce sera sur du 2. Ensuite, on blesse sur du 3+. Allez, empoisonné 3+, c'est parti. Et il y a de la PA ou il n'y a pas de PA? Pas de PA. Pas de PA. Pas de PA, pas de PA. Pas de PA. Sur du 3+. Allez, les filles, on résiste, on résiste, on résiste. Pourquoi il y a toujours un 1? Bah, il y a quelqu'un sur la chaîne qui me met un 1 à chaque fois. Qu'il se dénonce. Faites gaffe, il fait quand même 1m93. Hein. S'il se dénonce... C'est son kilo. Oh, ça, c'est petit, par contre. Non, ça, on balance pas. C'est la fin de la phase de tir. On va passer à la phase de charge. C'est parti pour les Drukhari. Phase de charge. À tout seigneur, tout honneur, on commence par le... Venom. Le Venom qui va changer. La petite sœur. La petite sœur. Touche pas aux petites sœurs, la petite sœur des pauvres. C'est parti. On continue. Ensuite, mes fléaux vont charger les sœurs qui sont à l'intérieur. Ok. Charge à 9. Charge à 9. On l'attente. On a réussi surtout. On l'a réussi pas. Qu'est-ce que vous nagez bien, cher? Oh là! Ensuite, il va y avoir l'archonte avec... Les incubes. Enfin, l'archonte d'abord, les incubes après. Voilà, tout à fait. Donc, l'archonte, petite charge sur les. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Oh là! Mais il faut demander au chef. Le chef, il sait. Avant, j'ai mieux que ça, mais c'est toujours pareil. On continue avec les incubis. Allez, charge. Ça passe. Voilà, 10, typiquement, la charge à 10. Magnifique. Ils sont motivés, au moins. Deux cons qui marchent iront toujours plus loin qu'un intellectuel assis, c'est connu. Début de phase de combat pour les Drukhari. Alors il va se passer un petit truc rapide ici. L'archonte va donner Fight Last aux Zephyrin, c'est normal. Et donc du coup c'est sur ce combat là qu'on va se concentrer avec les 3 attaques sur du 4+, du Venom. Allez, 4 attaques. Ah, 4 attaques, pardon. Oh, le triple 1. Mais tu en aurais fait des triple 1 depuis le début du match, toi. Oh, la vache, mon ami. Ah, c'est violent. Putain, pas de chance. 6 sur 6 de force. Je fais pas les shots. 3. C'est bon, ça passe. Petite sauvegarde, s'il vous plaît. Il y a une PA. Ou pas de PA. PA moins 1, chef. Pas de PA. Du coup, 3 plus. Ah, la survivante. Putain, ah, ah, sire. Je vous attends. On passe aux incubes qui vont faire leur 8 attaques sur les Zephyrin, c'est parti. Séraphine, pardon. Hop. Zephyrin. Sur du 2+, relance D1. Ah ouais, c'est stable. C'est stable, il y a tout qui voilà. Passe. Force 4. On sur du 3. 3+. Ouh, celui-là est beau. Oh, ceux-là, ils sont motivés. PA-2 qui passe à PA-1. Ah ouais, 4+. 4+, un but. C'est du 4+. Non, 4+, pas un but. 4+, tout court. Ah, c'est chum. Allez. Je vais 3. Voilà. Je vais claquer un PC, mesdames, messieurs. Allez, allez, allez. Et tu en restes 3. Mais attends, si on tout pour un 4. Ah, 2. Ah, bah si. Non. Dommage. Dommage. Donc j'en perds 3. J'en perds 3.
Après les 3 morts, Zéphirine, c'est parti pour les 5 attaques de l'Archon qui sont sur du 2 plus relance D1, c'est ça? Oui, 2 plus tout court, il n'y a pas de relance D1. Oh d'accord. Hop là. Ah voilà. Et ensuite, épée énergétique, 4 de force, 3 d'endurance. 3 plus. T'as 3 sauvegardes, PA-3 pour un dommage. PA-3 qui passe PA-2. Ça fait du 5+, ou du 5+, invulnérable. On va dire qu'on va passer sur le 5+, invulnérable, ouais, parce que c'est le bouclier de la foi. Ça fait plus chic. Pouf. C'est pas facile. C'est ça, la croyance. Ça fait faire des choses folles. La contre-attaque des sœurs de bataille. C'est parti avec les séraphines qui vont taper tout sur l'archon, le vilain, avec cette 2+, invulnérable. Ouais, c'est des zéphirines, mais c'est pas grave. Et on met tout sur l'archon, parce qu'on n'aime pas les archontes. Et c'est parti, c'est sur du 3+, parce que vous avez suivi. Ah, c'est dégueu. Mmh. Heureusement, j'ai 1, 2, 3, 4, 6. Oui, c'est pas si mal en fait. Donc finalement, je n'ai racté qu'une, c'est bien ça. On est sur du force 4, endurance 3. C'est du 3+, mesdames, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oh, ça c'est dégueulasse. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames, messieurs? Attention, ça fait saigner des yeux. Je tiens à dire, on nous a vendu des dés à 5+, tout le temps. Hein. Ouais, eh ben, c'est dégueu. Voilà. Allez, 4 sauvegardes. 4 sauvegardes. Bah, on va les faire une par une. Ah, parce oui. que l'archonte, il a la capacité d'avoir une sauvegarde invulnérable à 2+, mais il la perd s'il fait 1-1. Allez. 6. J'ai de l'aider comme un chat. 6. 3. Boum. Il veut pas casser le décor. C'est son décor en même temps. Il est venu avec. Et bon, quoi. C'est parti pour la contre-attaque de la sœur supérieure avec ses 4 attaques et son épée tronçonneuse. Ça m'a tronçonné, chérie. C'est sur du 4+. Il n'y a pas de relance, mais j'explose les 6. Ouais. 3 touches, force 3, endurance 5. Ce qui nous fait du 5+. Je vais utiliser un dé de foi pour en réussir une blesse auto. Et là, c'est le drame. Ouais. Une sauvegarde ici pour le Venom. PA combien? Pas de PA. Pas de PA. 4+. Boum. Circuler, y'a rien à voir. Ouais, non, mais là, il est reparti. Il est reparti, l'ami Fœtus, là. Phase de morale des sœurs de bataille. Alors ici, je vais faire la phase de morale de mes Zéphirines. Je vais réussir avec un 1 de dé de miracle. Réussite de mon petit test. Et ici, je réutilise un autre dé de miracle et je le peux dans la même phase parce que j'ai le Simulacrum Imperialis. Yes. Et je réussis aussi mon test de morale automatiquement. Bravo, bravo, bravo. Et tout cela nous mène à compter les points du tour 3 des Drukhari. On se retrouve avec les deux amis pour la fin du tour 3 des Drukhari. On va compter les points. C'est parti. Donc, l'objectif Drukhari, aiguille les proies, marque 2 points. Ouais. Ensuite... Alors, pourquoi? Il faut expliquer aux tout gens tout simplement qui parce qu'il n'y a pas une sœur sur ce quart-là, et pas une sœur sur ce quart-là. Pour chaque quart de table, j'ai 1 point. Ok. Ensuite, les data de Nokmund, je les marque pas, ce tour-ci. 0. Ok. C'est pas grave. Ensuite, Engagement of France, j'en ai 3. Donc sur tous les fronts, pardon en français, sur tous les sur fronts, les fronts j'ai celui-là, celui-là et celui-là, tu n'as plus celui-là, donc ça te fait 2 points et c'est tout. Et on se retrouve tout de suite pour le tour 4, les sœurs de bataille. On se retrouve avec Marcus pour le tour 4 des sœurs de bataille qui vont gagner 1 point de commandement, ça leur en fait 4. Ouais, et il y a un dé de miracle aussi. Yes. Est-ce que vous êtes avec moi? Non. Mais c'est gentil d'avoir participé comme ça. Tu marques 8 points de primaire. Absolument. Grâce à ce point-là et ce point-là. Et je marque, à la fin du tour précédent, ma démonstration de foi, parce que j'ai fait 3 actes de foi pendant le tour de mon adversaire, ce qui me fait... 3 points de victoire supplémentaires, oui monsieur dame, c'est ça que ça sert, la foi. C'est exactement ça. Et ben on se retrouve tout de suite après tes mouvements. Hein. Et on rappellera aussi que du coup, le docteur Fœtus a 3 points de commandement. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement des sœurs de bataille. Qu'est-ce que tu as fait s'il te plaît Marcus? Alors ici avec la petite escouade de troupes, je me suis un petit peu réorganisé pour être... derrière l'occultant, au cas où les choses tournent mal. Mon rhino s'est avancé, ma chanoinesse s'est approchée. Je me suis désengagé des zéphirines, hop là, pour les emmener faire un petit tour devant les fléaux. Yes. J'ai désengagé
la sœur supérieure, la survivante, qui est partie se planquer ici derrière, et j'ai réorganisé un petit peu ma petite escouade de troupes pour garder le sanctuaire. Et en même temps, mettre un petit pied ici pour avoir une de plus de sauvegarde. Et ça, c'est plutôt bien joué. Est-ce que tu fais des actions? Non. Je ne crois pas, donc on va passer directement à ta phase de tir. À la fin de ta phase de mouvement, tu vas faire quelque chose en plus? Ici, je plaque 2 PC pour le stratagème Défendez la foi, puisque j'ai une troupe qui a un point sur l'objectif, ce qui me permettra de n'être blessé que sur du 4+, et de doubler les tirs jusqu'à ma prochaine phase de mouvement. Aussi bien joué. Début de la phase de tir des sorts de bataille, c'est parti! Allez, on commence avec l'escouade de troupes qui va tirer sur l'Arconte. On balance les tirs de bolter à courte portée. On y va, c'est sur du 3+. Relance les 1. Heureusement, il n'y a pas de 1. 1 des 6 touche de lance-flamme. Ça sera un 1. Et ben, il reste là, ce dé. C'est très bien. Et tout ça, force 4, endurance 3. 3. Merci d'avoir suivi. C'est parti, c'est sur du 3. C'est historique ce qu'il nous fait. Hein. Putain, mais j'arrive pas à blesser, quoi. C'est un truc de dingue. Allez, 4 sauvegardes, on les fait une par une parce qu'il y a la sauvegarde à vue. La première. Passe. Deuxième, ça passe. Troisième, ça passe. Ça passe. Oh, mec. Eh bien voilà Jean-Michel, je vais donc arrêter de jouer aujourd'hui. Salut. Non, je rigole. Allez, on va tirer avec le pistolet inferno de la chanoinesse sur l'Arconte. Ça touche sur du 2. Regardez, si vous l'avez vu, il est là. Il est là. C'est celui qui devait faire l'Arconte juste avant. Eh bien non, c'est moi. Allez, le Bolter Storm du Rhino sur l'Arconte, on sait jamais, sur un malentendu. Allez, sur du 3. C'est mieux. Ah ouais, c'est mieux là. Sur du 3. Tiens, allez, 4 sauvegardes. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose? On va voir s'il encaisse ou il n'encaisse pas. Une par une. C'est parti. Encaisse. Ça encaisse. Ça encaisse pas. Quand même. Ça ne peut pas se relancer. Donc ça ne peut pas se relancer. Donc du coup, je suis à 4 plus de sauvegarde normale. Ouais. Et non, il perd 2 PV. Il en reste 3. Alors, je vais tirer avec ma petite escouade de troupes qui a le stratagème spécial pour doubler les tirs contre l'escouade de cabalistes qui est ici et qui tient le point. Ça fait 20 tirs et réaction d'Edrucari. Donc je vais claquer réaction foudroyante, ça va être moins 1 pour toucher. Mmh. Et ensuite, pour un PC, je vais mettre chasse des piles et ombres. Je vais rajouter plus 1 à ma sauvegarde d'armure quand je bénéficie du couvert léger. Ok. Oula, ça va être dur de les tuer, mais hein, c'est possible. Sur un malentendu, messieurs dames. Allez, sur du 4+. Sur du 4+. Ouf, quelle idée avec une violence! Un joli jet! Sur du 3+, messieurs, dames, c'est parti! Ouh la vache! C'est ce qu'on appelle être motivé dans le jargon! Tu peux prendre en photo, hein! Oui, c'est la pris, vache! Bon, allez, fais tes sauvegardes! J'aurais pu garder mes PC, quoi! Sauvegarde à 2+! Sauvegarde à 2+! Et j'en perds 2! C'est étonnant que vous soyez encore en vie! Ceci sonne à la fin de la phase de tir, on passe tout de suite à la phase de charge des sœurs de bataille. Allez, on va charger avec les Zéphirim ici, sachant qu'elles ont battu en retraite, il faut que je claque le stratagème Rage Sacrée pour qu'elles deviennent fanatiques et qu'elles puissent charger le tour où elles ont battu en retraite. Ça te coûte 2 PC. Exactement, et je vais charger aussi avec ma chanoinesse sur les Incubus. Allez, c'est parti pour la première charge. La charge des Zéphirim. Ça doit aller. 5. Ça passe. Je crois que ça passe. Ça passe large. Avec son dernier PC, le Drucari fait un tir de contre-charge et c'est 3D3 tirs de... De canon Drucari. Canon Drucari. Hop, du voilà. Coup ça me fait 3, 6, 3, 7, 8, tant qu'à faire. Hein. Impeccable. Sur du 6. Go. Oh, ça oui, me fait 3-6 quand même. 3-6. Il chatte. Ça chatte. Ah bah merci, on est d'accord. Force 3, endurance 3, c'est sur 4+, c'est parti. 4 sauvegardes, perd moins 3, pour des 3 de même. Eh bah, quelle sauvegarde à vue. C'est quoi ce score là? C'est quoi ce tir de contre-charge qui va changer la game? Bah ouais, 3 sauvegardes à 5+. Allez, allez, allez. Une qui réussit, et 2 de ratés. Il a plus de PC, il a pas le choix. On finit ce tir de contre-charge ultra puissant avec les 6 tirs de carabine éclateuse, hein, si on va les appeler comme ça. Ça fait 6 tirs sur du 6. Stats, il en passe une. Go! Ah oui! Il y en a une. Il y en a une. Je suis en patate. Empoisonné 3+. Empoisonné 3+. Allez. Ça s'appelle quoi? T'as plus de PC, non? J'ai pas la peine de regarder par là. Oh.
Et donc c'est la réussite de la charge de la dernière Zephyrine qui a déjà eu lieu. Après cette charge réussie, on passe à la charge de la Chanoinesse qui est ici et qui va charger les incubes. C'est réussi. Oui, c'est une belle charge. N'est-ce pas ? Oh, vous avez une belle charge, monsieur. Oh, vous allez me faire rougir. Attention, on se met bien à trois pas pour éviter. Voilà, intervention héroïque. Test de commandement de la Chano à cause des incubes. C'est un commandement à 9. Iki ! Ouh, c'était juste, mais c'est bien passé, tu n'auras pas Fight Last. Allez, on est parti pour la charge, le combat au corps à corps de la Chanoinesse sur les incubes. On a chargé, on est à 5 attaques, c'est sur du 2, et ça va piquer. Bah oui, parce qu'en plus, un petit 6 qui explose. On est sur du force 6, messieurs dames, endurance. 3 sur du 2. Paf. Et tout ça de sauvegarde à PA-4 parce que j'ai chargé. Ah. Ouh, ça va faire bobo ça. L'invue. Alors normalement je suis invue à 5 parce qu'on est tour 4. Ah, je crois qu'ils sont morts. Arzor, ils ont mouru. Pon. Allez, 5 attaques de la Zéphirine supérieure qui va essayer de venger ses sœurs. C'est sur du 3, messieurs dames. Ah, il y a un 1, mais je le relance pas. Et il y a un 2. Et il y a un 2, c'est nul. Par contre, il y a un 6 qui explose. Là, je le rajoute alors. Avec ceci, ben, on va faire force 4 sur de l'endurance 3. C'est sur du 3. Oh, est-ce que quelqu'un pourrait arrêter de me lancer des mauvaises ondes? Allez, une sauvegarde à PA-2. Parce que j'ai chargé. Bah, PA-2, je vais utiliser l'invue à 5. Bah, regarde-le. 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 À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Et on va passer maintenant à la contre-attaque des Drukhari. C'est parti pour le combat avec les fléaux. Ça fait 9 attaques sur du 2+, parce qu'on est au tour 4. Go. Un peu pénible, les trucs. Ah bah voilà, ils sont là, les 1 que tu devais faire tout à l'heure. Il y a un paquet de 5 et de 6, par contre. Force 3, endurance 3, c'est sur du 4. Allez. Et ça fait... Malheureux, c'est con. Allez, 4 sauvegardes à 3+. Allez. Et pourquoi il y a un 1, toujours? Quelqu'un peut m'expliquer? C'est 3 plus d'ailleurs, ouais. Et t'as plus de PC. Et là c'est moche. Salut. Salut. À la fin de la phase de combat, il n'y aura pas de phase de morale. On va passer tout de suite au comptage des points des sœurs de bataille. Et là, c'est important parce qu'on arrive à la fin. Tour 4 des Drukhari, on passe tout de suite à la phase de commandement. Et d'abord, Marcus va lancer son dé de foi. Un petit dé de miracle. C'est un 3. Ah, un petit 3. Ça peut toujours faire une sauvegarde, c'est toujours mieux qu'un 2. Ok, j'ai rien dit. Non, pas taper. Alors, ensuite, vous regagnez tous les deux un point de commandement. Ça vous en fait un chacun. Waouh, c'est Byzance. Et tu marques 8 points de primaire, l'ami Fœtus, puisque... Je peux pas, à chaque fois que je joue le truc, je me dis c'est pas possible. Et donc ici et ici, et donc ça te fait 8 points, et tu ne fais rien d'autre à ta phase de commandement. Tout à fait. Juste avant que le docteur nous explique sa phase de mouvement, on va récupérer le petit point de foi, parce que les incubes étaient morts, on l'a pas fait tout à l'heure. Un des miracles. Pour les incubes, c'est un 5. Ah bah merci les incubes. Allez, c'est parti. Docteur Fœtus, qu'est-ce que tu as fait, s'il te plaît? Alors, c'est simple, ou pas. Du coup, j'ai bougé un petit peu mes fléaux afin de pouvoir réaliser mes engagements dans tous les fronts. Ensuite, j'ai laissé mon petit pack de cabalites sur l'objectif. J'ai avancé l'autre unité de guerriers cabalites au plus près pour pouvoir tirer et charger. Au niveau de mon Venom, j'ai fait débarquer les Vrax ici afin de pouvoir faire mes données de Nephilim. Ouais, on va les regarder. Les Vrax, on les voit, elles sont ici. Et elles vont donc, à la fin de ta phase de mouvement, commencer à faire les données. Et puis le petit Arconti s'échappe parce qu'il a peur, parce qu'il y a une petite madame avec un gros pistolet. Il a plus son invue. Donc voilà, il court. Ok, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Phase de tir des Drukhari. Et ces deux planqués là vont tirer sur notre sœur supérieure qui est ici. C'est parti, c'est sur du 2+. 2+, oui, ça fait 4 tirs sur du 2+. Alors, ils ont plus de la force là de tirer. Ensuite, ça blesse sur du 3+.
Et une sauvegarde. Une sauvegarde. Sauvegarde à deux, parce que je suis planqué. Yes. Et voilà. Ça passe. Survivante, on vous dit. Mon unité suivante de guerriers cavaliers va tirer sur la petite sort de bataille. Même chose. 3 plus. Non, 2 plus. Hop. C'est un peu mieux. Oh, on blesse sur du 3 plus. 3-4. Ah, mon poisonné. Eh, sauvegarde à 2. Ça peut tanker. N'oublie pas que t'as des points de foi. Ça peut servir. Ah, c'est pas con ça, dis donc. Après, il a qu'un point de vie. Statistiquement, elle meurt, mais. Ouais, mais, c'est vrai. Mais bon. Mais regardez, on fait comme ça. Elle est morte. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Envoyez des commentaires sous la vidéo à Marcus. Bien joué, Marcus. Belle démonstration de foi. Donc maintenant, je vais tirer avec le Venom, avec son canon éclateur lourd de 3, sur les sœurs qui se trouvent sur l'objectif, sur du 3+. Hop, il y en a deux qui passent. Ensuite, on blesse sur du 3+. Non, on blesse sur du 4, parce 4. Que je suis sous stratagème toujours. Non, vraiment, monsieur. 4+. Ah, deux sauvegardes. L'insolent, quoi. Il t'a piqué tout à l'heure, léger. T'es un moins 1, donc t'as 2+. Allez, deux sauvegardes à 3. Et deux sauvegardes à 2, puisque t'es dans parce le couvert. Hein, absolument. Je vais donc directement en réussir une. Cette fois-ci, je vais pas faire mon kéké. Je vais m'en réussir une avec un 2. C'est encore mieux. Ah oui, pardon. Excuse-moi. Merci. Et l'autre, c'est réussi. Voilà. Raté. Tu es encore trop lent, petit scarabée. Et merde. Ensuite, je continue avec le fusil éclateur jumelé. Tir rapide 2, sur du 3+. Tout passe. Oh, les jets, toi. Chou patate, pépère. Chou patate. Ah, mon poisonné, sur du 3+. Sur du 4+. 4+, mon grand, excuse-moi. Allez, deux petites sauvegardes. Oh, deux petites sauvegardes. À 2+, on y croit. Pas loin. Yes. Et ça tank. Ça tient. Par la suite, je vais tirer avec mon petit squad de fléau avec les fusils disruptures Drucari sur les squads de sœurs qui est ici. 3D3, c'est parti. 3D3. Ça fait 5 et ça fait 5 en tout. 5 touches sur du 2+, parce que t'as plus 1, t'as bougé 3+. 3+. On a deux qui passent. Allez, on essaye de blesser, on blessera sur du 4+. 4+. Et ouais, parce que mini physio. Et ça te fait 2 sauvegardes, PA moins 3. Et trop dommage. Moins 2 pour l'armure du mépris. Allez, ça fait 2 sauvegardes à 4. Bah oui, j'ai suivi. Regardez, c'est exactement ce que je voulais faire. Bon, pas deux morts. Donc il me reste plus qu'un, la carabine éclateuse, le bébé de la honte. C'est sur du. De plus, ça passe. Attends, je réfléchis après avoir avancé. Et sur du 4+. Voilà, du tout. C'est un 1. Voilà. Encaisse. Et mon dernier tir avec le pistolet de l'archonte sur l'unité de sœur. Pour la beauté du geste. Et on se retrouve tout de suite après la pub. Allez, c'est sur du 2+. Ça passe. Alors mon poisonné, c'est sur du 3+. Ça passe. Ça passe. Une petite sauvegarde, pas de PA. Ça passe bien là hein, en ce moment. Hein. Une sauvegarde à 3. C'est fait. Ah, quand même. Bah, flûte, beau. Hein. C'est beau. Ça va, non? Ok, c'est la fin de la phase de tir. On se retrouve tout de suite pour la phase de charge des Drucari. On se retrouve pour la phase de charge des Drucari avec une charge à 5 ici. C'est parti. Go. C'est bon. Ça passe. Ensuite, le Venom va charger la même unité de sœur. Charge 4. On est bon. Et pour finir, la dernière charge, à moins qu'il y ait une charge par ici, mais je ne crois pas. Non, non, il n'y a pas de charge. Je peux te charger. Je charge pas, bon, très bien. Et ensuite, hop, c'est parti pour la charge. Tir de contre-charge. Yes. L'archonte, parce qu'à un moment donné... Voilà, quoi. Si ma tante en avait, ce serait bon. Voilà, charge de l'archonte. Et bien, c'est réussi. C'est pas comme ça que ça se passe, mais bon, ok, vas-y, t'as fait ton 6. Ça. Voilà, ça passe. Allez, on est sur 10 tirs de bolter de contre-charge sur du 6. Est-ce qu'il va y avoir du 6? Bien sûr qu'il va y avoir du 6. Absolument, il y a du 6. Ouh, on est sur le retour du BLGR, le BLGR. Voilà. Et on rajoute les D6 tirs de lance-flamme. Attention, ça rajoute 2. Et je peux tirer avec mon fuseur sur un 6, on sait jamais. Bah alors. Bah non. Dommage. Allez, force 4, endurance. 3. Sur du 3+, messieurs dames. C'est le moment. Eh ben... Eh ben ouais.
Eh ben ouais. Et 4 sauvegardes à 4 plus. Et à 3 points de vie. Une à réussir, deux à réussir. Ah ouais. Ah ouais. À 4 plus. Ah ouais. C'est stat. Ça tremble, ça tremble. C'est stat. Oh, petit PC, un petit PC, monsieur. Je claquos, le PC. Une chance sur deux, messieurs, dames, sous vos yeux ébahis. Oui. Réussi. Un petit 6. Bon, bah, t'as réussi ta charge à 6, tu peux impacter les sœurs de ce côté-là. Et voilà, il reste un point de vie à l'Archon qui a eu ultra chaud. On se retrouve tout de suite pour la phase de combat. Donc, 5 attaques de l'Archon sur du 2+. 4 de force contre de l'endurance 3. 3 points plus. T'as 3 sauvegardes, PA moins 3. Un dommage. PA moins 3 ? Mais ça me fait PA moins 2, ça. Allez, sauvegarde à 5. Regardez les amis, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors, comme tu avais un 6 à la blesse, ça te fait une PA supérieure, mais comme il y avait un 6 à la sauvegarde, on va considérer que, oublie, hein, on ne refait pas le passé. Donc, exact. Une mort chez les sœurs de bataille, et on passe tout de suite au reste du combat. Les guerriers cabalites vont attaquer les sœurs sur du 2+. C'est stable, hein, quand même, l'idée de tirer autour de 4. C'est sur du 4. Sur du 4. Allez. Sur du 4, ça fait 3 sauvegardes pour les sorts de bataille. C'est parti, Marcus. Sur du 3+. Tiens, ah, messieurs, dames. Tiens, voilà. Tiens. Le Venom, 3 attaques sur du 4+. C'est parti. 2 qui passent. Ce sera sur du 4 parce que tu as la physiologie, la mini-physiologie. Allez. Ça a fait une sauvegarde seule, à PA-1, mais qui est... Bah oui. 3+, messieurs, dames. Bah oui, mais oui, mais oui. Et ça fonctionne. Là. L'empereur protège, mes sœurs, l'empereur protège. Et c'est parti pour les sœurs de bataille qui vont se défendre ici. Ça leur fait pas mal d'attaques, hein. Ça fait. On est sur 8 attaques de riposte sur du 4+ pour toucher, messieurs dames. Mmh. Sachant que j'ai fait un 6 explosif. Rite sacré, la pathion. Force 3, endurance 3. Sur du 4+, une chance sur eux. C'est parti. Fait déjà moins de... Non, ça fait 2 sauvegardes. Allez. 2 sauvegardes, pas de PA, ça fait 2 sauvegardes à 4+. Oh. Ah, t'as fait mal au cul, ça, hein. T'as fait mal au cul, hein. T'es tendu, Natacha. J'ai senti votre odeur méphitique dès que je suis montée à bord. C'est parti pour Tintin et Picaros. Pardon, pour les sœurs de bataille qui vont tâcher de tuer l'Archonte. Avez-vous déjà vu des sœurs de bataille tuer un archonte. Sur du 4+, messieurs dames. Ouh, c'est moche. Tu rigoles. Mais... T'as des 6 de partout. 1, 2, 3, 4. Ah oui. Force 3, messieurs dames, endurance 3, on est toujours sur du 4+, sur statistiquement 1 sur 2. Adieu, l'archonte. L'archonte, il a une sauvegarde. Il a une... Donc, ça nous fait 3 et 3, 6, 7, 8 sauvegardes à 4+. Vas-y, fais-nous rêver. Allez, vas-y, secoue les dés. Oh là là. Putain. Il est mort. J'ai vu qu'il en était encore sorti. Non, ça va. Et je vais pouvoir récupérer un magnifique dé de miracle parce que j'ai lavé une unité et ce sera un... Est-ce que tu pourrais faire un petit son de prout? Écoute, Stan, tu veux que je te dise ce que j'en pense, quoi? Ok, et c'est plutôt pas mal. On se retrouve tout de suite pour la phase où on va compter les points et on va voir s'il y a des tests de commandement à faire. Alors là, on est à la fin du tour des Drukhari et l'ami Marcus va faire un petit tricks, c'est-à-dire qu'avec cette unité qui est là, on va utiliser un 1 de dé de miracle pour réussir automatiquement le test de morale. Ouais. Et avec cette unité-ci, on va faire la même chose grâce au simulacrum impérialiste qui permet de faire 2 actes de foi à la même phase. Et ça va te permettre de gagner des petits points. Exactement. Ok, bon, on va se retrouver tout de suite pour compter le reste des points. On se retrouve avec Erwan qui a eu 4 échos. Faut quand même le dire, le pauvre Erwan. Et on va compter les points, on va tout de suite noter que les sœurs de bataille marquent 3 points grâce à leur secondaire qui s'appelle démonstration de foi. Puisque tu as fait 3 actes de foi pendant le tour des Drukhari, et les Drukhari, eux, marque sur tous les fronts, puisqu'ils ont ici, ici et ici. Donc tu marques 2 points sur tous les fronts. Tu interdis la zone à ici et ici, donc tu marques 2 autres points. Ça, c'est aiguiller les proies. Bravo. Et tu as ce point-là là-bas, donc le secondaire du primaire, tu marques 1 point. Mmh.
Et puis, c'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Ouais. Hein, et en plus, t'as fait les données ici. J'ai fini les données. Donc, clairement, tu reviens dans la game et avant le tour 5, on a fait le petit calcul. À mon avis, il y a à peine 2 points de différence entre les deux joueurs. Donc, c'est très, très, très serré. On se retrouve tout de suite pour le round 5 et le tour 5 des sœurs de bataille. On se retrouve avec le grand Marcus pour sa phase de commandement du tour 5 et je peux vous dire que ça a réfléchi sévère dans le studio. Là, ça va se jouer à un poil de cul, comme dirait mon oncle. Et donc là, tu vas déjà marquer ici 4 points. Absolument. Et seulement 4 points puisqu'il a, c'est contesté. Mmh. Ensuite, tu vas gagner un point de foi. Allez, miracle. Ce sera un 5. Ah, ça va mieux, les affaires reprennent. Tu vas gagner... Un PC. Voilà, donc ça y est, je te l'ai déjà donné. Et donc, c'est faux. Si. Et l'ami Docteur Fetus ont gagné un aussi. Minus Cortex et Docteur Fetus. Et ben on va se retrouver tout de suite après tes mouvements qui vont être hyper importants ben pour la game. Parce que là, ça se va jouer à 1 ou 2 points. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement des sœurs de bataille. Qu'as-tu fait, Marcus ? Alors, c'est pas compliqué, les petites sœurs qui étaient ici, hop là, se sont rapprochées, j'ai avancé le rhino au maximum de sa portée, la chanoinesse s'est rapprochée pour être un petit peu menaçante, et ici, je ne bouge plus, je ne bouge pas, et c'est la fin de ma phase de mouvement, donc je n'ai plus la physiologie transhumaine. Yes, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Allez, la phase de tir, on va commencer par l'équipe. De bracasse, non, rien à voir. L'équipe de sœurs de bataille qui va tirer intégralement sur les fléaux. On a 4 bolteurs à mi-portée plus un lance-flamme. Tout ça. Et je claque un petit peu la réaction foudroyante. Pas un tir, allez, c'est parti. Sur les 4 plus. Est-ce que quelqu'un pourrait appeler le SAMU, s'il vous plaît? Voilà, ça va. On rajoute un des 6 touches pour le lance-flamme. Allez, touche auto. 2. Pas terrible, terrible. Et un 4 plus pour le fuseur de la sursup. Bah, je crois que ça a fait un 6. Allez, c'est parti. Donc le fuseur, bah, fais-le à part, hein, parce que ça n'a pas du tout la même PA. Absolument. Et pas du tout la même, d'ailleurs, violence. Alors, sur du 2 plus, ça blesse. Ça blesse. Un vu à 5. C'est 5. Parti. 5. Oh là 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 là, l'insolence du mec. Insolent. Insolence du Drucari, incroyable. Ensuite, force casse endurance 3, on est sur du 3 plus. Allez. Ah, joli. 5 sauvegardes. 5 sauvegardes. Pas de pire. 4 sauvegardes à 4. Ah, 3 morts. 3 morts. Fais-moi le malin. Oui. C'est parti, on enchaîne avec les 4 tirs du Bolter Storm sur le fléau, sur du 4 plus. Que demande le peuple ? Joli. Sur du 3 plus. Ah, moins beau. Ah, c'est... Une sauvegarde à 4 plus. 4. Un tank. Allez, la chanoine ici qui tire sur toujours celui-là, le survivor là. Du 3 plus cette fois. Ça passe. Sur du 2 pour blesser. Ça passe. Sauvegarde un vu à 5. Allez, ma cocotte. Non. 2. Et ça y est, il est décédé. Le dernier tir du dernier tour des sortes de bataille, et c'est parti. 3 petits pistolets Bolter sur les cabalites. Allez, c'est du 3 plus, messieurs dames, on en demande. On en a. C'est du 3 plus, force 4, endurance 3. Toujours un petit 1 qui se balade. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes. Ah, 4 plus. Non. Aïe, 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 aïe. Ah là, ça craque. Ah, ils sont en train de craquer. Ça craque, ça craque. Craque, craque, craque. On va tout de suite passer à la phase de charge. C'est la fin de la phase de tir et donc que tu as réussi à détruire une unité ici, donc tu vas lancer un point. Un dé de miracle, tu vas y arriver avant la fin du rapport de dire dé de miracle. Ah ouais, non, mais je pense pas. C'était un 1, vous aviez bien deviné derrière votre écran. Le nombre de 1, c'est impressionnant. On va avoir une charge dans la chanoinesse sur le Venom. C'est une charge à 10 et pour la réussir, c'est un miracle. Yes, c'est parti. On commence le phase de combat et celle-ci elle est importante, la chanoinesse qui va taper sur le Venom, il va falloir qu'elle soit efficace. Absolument. Donc, je vais
utiliser un des deux miracles pour avoir coup exultant sur la chanoinesse elle-même. Tous les six pour blesser font des BM. Allez, c'est parti pour le nombre d'attaques. C'est sur du 2+. 5 attaques sur du 2. Les 6 explosent. Il faut se pincer pour y croire. Ouais, mais c'est comme ça. C'est dur là. Hein. Je peux pas relancer les 1 sur moi-même. Non, malheureusement, tu n'es pas base. Et ouais. Allez, c'est de la force 6 contre de l'endurance. De 5 quand même. Ça, donc sur du 3+, et tous les 6 font une BM. Ou pas. 2 sauvegardes à PA moins 4, ça fait une 5+, 1 vu. Allez. Et de regardez-moi ça là, ça rebondit sur la coque. Monsieur, vous sortez si vous voulez. Il y en a un qui est en mode chambrage. C'était chaud. C'est-à-dire que dans ces couleurs, on est fair play tant qu'on gagne. Hein. Vous remarquerez que je ne dis rien. Hein. Oui. Rien du tout. Allez, c'est parti pour la riposte des Drukhari. Drukhari, donc on va commencer par la petite cavalerie, la petite guerrière cabale. Hop, sur du 2+, ça passe. Ensuite, 3 de force. Endurance 3, 4+. 4+, mon grand, rien. Rentrez chez vous. Et chez moi, ça rebondit. C'est au sort de bataille de frapper maintenant, puisque c'est alterné, et donc les 3 sorts de bataille vont atomiser le guerrier cavalier qui reste. 5 attaques, messieurs, dames. Sur du 4. Relance D1. Oh, enfoiré, encore un jet tout pourri. Oh là là, c'est la fin des haricots. Aïe 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 aïe, je vais casser le téléviseur. Oh là là, ça fait 3 fois. Eh oui, il n'y a pas de victoire sans douleur, la peine est là. C'est parti pour les 3 attaques sur du 4 plus du Venom sur la chanoinesse ou sur les. Sur les sœurs d'ailleurs. Sur les sœurs. D'accord, sur les sœurs. Hop, il y en a une seule qui passe. Ça ne blesse pas. Ça blesse pas. Si, force combien? Force 6. Ça blesse. T'as une sauvegarde. Sauvegarde normale. Donc sauvegarde normale. C'est un miracle! Tiens! Mais il était palpitant ce combat, hein. Oh, nom de Dieu. En cette fin de tour 5 et en cette fin de partie pour les Drukhari, pas encore tout à fait. Pour les sœurs de bataille, mon cher ami Marcus. Ouais, pour le secondaire de la mission primaire, je marque 2 points ici et ici. Je maintiens mon sanctuaire, je marque donc 3 points. Et j'ai fait 2 actes de foi, je marque donc 1 point supplémentaire parce que c'était un bon tour. Yes, eh bien c'est très bien. On va donc noter tout ça et on se retrouve pour l'ultime tour des Drukhari, pardon, pour savoir ce qui se passe. Dernier round, dernier tour et dernier dé de foi. Dé de miracle, t'auras pas réussi. Dé de miracle, toujours pas. C'est un 5. Ah ben voilà. Ensuite, tu marqueras à la fin de ton tour. Est-ce que tu marques des choses là? Non. Non. Est-ce que tu vas faire d'autres choses à ta phase de commandement? Non. Tu vas regagner un PC, ça t'en fera un et Marcus en a 2. Et on se retrouve tout de suite après tes mouvements. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement du dernier tour des Drukhari et c'est parti. Qu'est-ce que tu as fait s'il te plaît docteur? C'était un petit peu compliqué de trouver vraiment le mouvement adéquat à cette phase. J'ai désengagé le Venom, je l'ai envoyé sur son objectif primaire. Sur son objectif. Ensuite j'ai désengagé mon petit guerrier cavalite. Les Vrax et les Gorgones, ils ont bougé sur l'objectif pour pouvoir lui piquer. Advance de 4. Advance de 4 quand même. Et c'est tout ce que j'ai fait à ma phase de mouvement. Ouais, et ici, ils sont restés sur l'objectif. Et ben, on se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. On se retrouve pour la phase de tir des Drukhari qui vont jouer Supercherie Cruelle ici pour un PC, ce qui va te permettre de désengager et tirer. C'est parti. Tout à fait. On va commencer par son canon éclateur. Donc, lourde 3 sur du 3+. Voilà. C'est pas grave. Donc, avec le fusil éclateur jumelé, je vais tirer sur l'unité. 3+, 3+, ça passe. Ensuite, je vais blesser sur 3+, un peu pour donner. Ça passe pas. On finit avec les deux derniers cabalis qui sont restés là pendant tout le temps à chanter des chansons scouts et à faire veiller les saucisses. C'est parti, 2 tirs sur du 2+. Allez, pour la beauté du geste. Oh. Et empoisonner 3+. 3+. Ça et... blesse, une petite sauvegarde de PS0. Je vais la réussir avec un dé de miracle. Et voilà un dé de miracle qui réussit une sauvegarde ici.
et on passe tout de suite à la phase de charge. Il n'y aura pas de charge à la phase de charge, on passe tout de suite à la phase de morale et je pense que j'ai quelqu'un qui veut dire quelque chose. Marcus ? Non, non. Rien du tout. Si tu claques un dé de... ça te fait deux actes de foi dans ce tour, est-ce que ça te rapporte quelque chose ? Oui, mais j'ai rien perdu, j'ai pas de test de morale. Ah oui, c'est vrai, t'as rien perdu, tu peux pas faire de test de morale, pardon. Il aurait fallu qu'il tire un peu plus fort. Ouais. Bah pour une fois que tu voulais qu'il te tire dedans, bah voilà, là, ça n'a pas fonctionné. Ok, bah on se retrouve tout de suite pour compter les points de la fin du tour 5 avec l'ami docteur... Fetus. On se retrouve à la fin de ton tour 5. Et à la fin de la partie, on va compter les points puisque tu as la chance de marquer les points à la fin de ton tour. À la fin, la chance, t'as joué un second quoi. Ici, tu as 3 points. Ça marque donc 12 points puisque tu en as plus que ton adversaire. 12 points de primaire, ça fait hyper mal. Comme tu as ce point-là et ce point-là, eh bien, le secondaire de primaire, tu vas marquer 2 points plus 1 ici, ça fait 3 points. Tu maxes à 15 points. Félicitations. Ensuite, aiguiller les proies, tu vas marquer 2 points, puisque Marcus n'est pas entièrement dans ce quart de table et celui-ci. Et ensuite, ce sera tout, mais ce sera déjà pas mal, puisque du coup, ça va te faire un 17 points au dernier tour. On se retrouve tout de suite, cher ami, pour le débrief de la partie et le score final de cette partie qui s'est jouée sur le dernier tour. Du dernier joueur, une fois de plus. Donc, bravo à vous. On se retrouve avec Marcus et Docteur Fetus. Docteur Fetus. Pour, après cette magnifique poutre qui s'est jouée au cinquième tour, donc un premier tour de cette campagne slash tournoi d'une guerre pour Tullianum qui a... franchement, tenu toutes ses promesses sur Cynthera. Donc, c'était le domaine, c'était le sol sacré des sœurs de bataille. On va tout de suite donner le score. Et le score, c'est 72 pour Dr. Fetus et Cédric Harry. Bravo. Merci, on a bien souillé la planète comme il fallait. 68 et pour Marcus. Bien fait souiller. Merci. Ça. Donc, on va parler tout de suite de ce rapport de bataille. Alors d'abord, avant toute chose et en préambule, merci beaucoup les gars, parce que c'était votre premier rapport de bataille filmé. C'était votre première fois sur la chaîne. Vous êtes tous les deux tipeurs, ce qui est vraiment merci à vous. C'était votre premier en format comme ça sur un format tournoi et en plus filmé, en plus il faisait une chaleur accablante on va dire dans le studio, donc merci, c'était vraiment pas facile, donc merci beaucoup, vous en êtes très très bien tirés. On va tout de suite donner honneur aux perdants et aux dames si j'ose dire, même si 1m93 et plus de 100 kg, c'est une dame qui se porte bien. Marcus, donc qui joueur sort de bataille, adorable, super joueur. Tu as marqué donc 68 points, dont 30 sur 45 de primaire. Tu as défendu le sanctuaire, tu as marqué 9 sur 15, sachant que tu as perdu 3 points dernier tour, on y reviendra, mais cela il coûte cher, parce que tu perds de 4 points, donc vraiment il coûte cher. Et sol sacré. Tu as marqué 10 points et ainsi que démonstration de foi 9 points, donc tu as fait plutôt une bonne partie. Au final, 68 points, c'est pas mal du tout. Avec 3 points de plus, ça fait 71. Hein, ça, bravo les maths. Mais surtout, on y reviendra, ça t'aurait fait des points en moins. Et là, pas du tout la même, puisque tu viens lui shipper son sanctuaire. Je l'ai tellement mal écrit que j'arrive pas à le lire. En fait, je ferais mieux de le dire comme ça. Parce que ça. Donc, Marcus, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie ? Excellente partie. Alors, moi, je leur dis, ça fait un moment à la compagnie qu'on fait, donc à l'assaut, qu'on fait du 750 points format Feel No Pain. Moi, j'adhère complètement. J'ai redécouvert le plaisir de jouer à 40K, et je le dis pas comme ça pour en l'air. J'ai redécouvert le plaisir de jouer à 40K grâce à ce format. Donc, quand Phil m'a proposé le tournoi, j'ai dit banco. T'as dit banco. Ouais, j'ai dit banco. Et donc, j'ai amené mes sœurs de bataille. Ça, c'est mon armée de cœur. Et franchement, cette partie, elle m'a fait transpirer parce qu'il faisait 30 degrés. Mais franchement, elle m'a fait transpirer aussi
parce qu'il y a eu des retournements, vous les avez vus, qui se sont joués à des G2D près. Et je peux vous dire que, voilà, je me suis creusé le ciboulot pour essayer de trouver une solution de machin, de ce truc, de bidule. À un moment donné, quand on balance des 6 nonchalamment, on peut rien faire en face. Je veux dire, bon, t'as beau essayer de... Non, il y a la chance du débutant, il y a la chance du débutant, c'est tout. Non, non, c'était une super partie et c'était vraiment très très bien. Merci beaucoup, Phil, pour cette journée, c'était top. Et puis, des lecteurs fétiches aussi. Hein, non, 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 non. Il est vert parce que j'ai souillé sa planète. Bon, il faut dire quand même que, on reviendra après sur le déroulé de la partie, mais il faut dire qu'effectivement, au premier tour, toi, Docteur Fœtus, t'arrives... Docteur Fœtus, c'est pas possible comme ça, non, franchement. donc, t'arrives, tu rates complètement sur son rhino, tu te dis, voilà, je suis au milieu de la pampa, je perds toutes mes cérastes. Là, on se dit, la partie, elle a duré 2 tours, ça va être Bagdad. Et puis, au final, tu fais un tir de contre-charge de la lune, et là, la partie, elle se renverse, et alors que t'étais vraiment bien... Bah oui. Là, du coup, tu perds vraiment des ressources sur ce truc-là. Comme on est en 750 points, bah, ça rééquilibre la partie. Et du coup, le fait d'avoir quelques petits émissus supplémentaires, tu regagnes des points et tu fais un dernier tour où tu marques 17 points. Mmh. Alors que toi, tu fais un premier tour où tu marques 16 et un deuxième tour où tu marques 20. Donc c'est vraiment... et là, à partir de la fin du tour 4, hein, parce que tu marques encore 15 au tout, c'est là où ça se renverse. Et ce fameux dernier tour où tu lui piques le point... Et qu'il avait à sanctuariser, donc ça fait moins 3, et toi ça te permet de marquer 12 de primaire. Tout à fait. Et donc là tu marques non seulement 17 points à ton tour, mais en plus 20 points en tout, puisque il t'en enlève 3, et ça renverse la game, 72 à 68. Qu'est-ce que t'en as pensé? Comment c'était? T'as eu chaud? C'était... Alors oui, bah avec Marcus on a pris, voilà, on s'est vraiment très amusé dans cette partie. Moi mon objectif c'était surtout d'être un petit peu dans tous les quarts de table, parce que c'était un petit peu mes objectifs secondaires que j'avais pris. Je savais que l'assista allait être sur ses objectifs et les tenir à fond. Donc voilà, j'essayais d'envoyer des petites ressources au fur et à mesure. Alors, le G du premier tour. Alors là, c'était... Soit ça passait, c'était magique. Soit ça passait pas, du coup ça peut passer. Et voilà, je me suis fait fumer au premier tour ma grosse unité de céraste. Bon, en tout cas, bon, c'est pas grave, la chance, elle tourne. Et du coup, après, avec mes fléaux, j'ai pu balayer ces séraphines. Donc voilà, la partie s'est égalisée. Et à la fin, il m'a laissé l'opportunité. Il avait quitté son point d'objectif, je l'ai vu. Et j'ai volé avec le Venom, justement pour marquer mes primaires. Ouais, ouais, ouais. C'était bien joué de ta part, parce que t'as été un joueur du Drucari prudent. Alors, il faut savoir que tu joues avec les Drucari de la chaîne, que je t'ai demandé si tu voulais bien jouer avec les Drucari de la chaîne, alors que t'es un joueur Sista habituel, ce qui t'a plutôt arrangé, parce que du coup, t'as pas eu de surprise par rapport à ce qu'il avait dans sa liste. Mm-hmm. Ce qui n'était pas le cas de Marcus, qui a eu quelques surprises avec les Drucari, parce que c'est vrai qu'au club, il n'y en a pas beaucoup des Drucari, et donc on les joue pas souvent. Et là, tu as joué l'armée du studio qui est relativement équilibrée. En 750 points, ce qui n'était pas évident. Et surtout, ça fait 2 semaines que tu meules le codex. Le codex. Et tu as fait une ou deux parties test sans plus. Donc vraiment, bravo à toi, parce que tu t'en es bien sorti. Et tu n'es pas tombé dans le piège des Drucari qui est « Je vais faire un Alpha Strike T1, je vais essayer de tout mettre dans la gueule de mon mec, du mec d'en face. Et si ça ne passe pas, bah, tant pis, j'ai perdu. » Là, tu as réussi à gérer, à donner à manger au fur et à mesure. Tu as fait des batteries à un moment de triple 1 à la suite. On s'est dit, mais c'est pas possible. Et à un moment où il fallait plus faire un 1 pour ton archonte, là, tu as pu faire un 1 par contre. Hein. Alors là, et ça, on a senti que ça basculait sur ces sauvegardes à 2+, où il faisait pas de 1. Et là, tu as tanké. Du coup, bah, les soeurs de bataille, elles se sont un petit peu engluées, embourbées. Elles n'ont pas pu sortir. Et là, ça a été le changement de la game. Et on le voit typiquement sur tous les points. Ce qui a été, là où tu as été assez fort, c'est que sur le premier tour, tu marques 3 points. Mmh. Et ces 3 points du premier tour, je me dis, ceux-là, ils sont bidons, quoi. Et en fait, ces 3 points-là, on les retrouve à la fin. Puisque de 4 points, tu gagnes, bien sûr. Tout à fait. Et tu marques 8 points au tour 2, ce qui est relativement faible. Mais après, tu te stabilises 13, 17. Mmh. Et ce dernier tour-là, où tu fais quasiment 20 points, et toi, tu ne peux en marquer que 10. Donc vraiment, c'était une super game. L'ambiance était très bonne. J'aurais dit, hein, il fait plus de 35 degrés dans le studio, facile. On a commencé à 9h du matin, il y a plus de 9h de tournage, donc c'était, voilà, même pour un tout petit format, c'était difficile pour mes invités, parce que, bah voilà, il faut... C'est pas évident, hein. Ah non, faut pas parler, faut pas faire trop de bruit, faut jeter les deux au bon moment, faut machin, donc c'est pas évident. Mais j'espère que ça vous a plu quand même. Vous avez fait plaisir. C'était cool. De toute façon, quel que soit le tournoi,
et les résultats du tournoi, on se retrouvera sur la chaîne. Vous êtes dans la région, vous êtes tous les deux des tipeurs. Donc c'est vraiment... On va parler deux minutes quand même de Marcus qui a aussi un podcast, plein de choses, qui fait plein de choses. Oui. Donc ça, ce sera peut-être l'occasion de faire un vie ma vie de Cadien là-dessus. Ah mais ce sera avec grand plaisir. Parce que c'est quelqu'un que quand on le découvre au fur et à mesure, il fait plein de choses, il fait des podcasts sur la santé, sur plein de choses. Donc voilà, il faut absolument que vous découvriez ce Wargamer. Et bien sûr aussi notre ami du peuple mu, puisque du sud-américain d'origine, ça c'était un vrai plaisir aussi de se rencontrer, donc oui, Erwan et Dr Fetus. Alors, par contre, tu peux nous expliquer d'où vient ce pseudonyme, s'il te plaît? Alors Dr Fetus, ça va faire des années que je l'ai, à peu près dans tous les jeux vidéo, bon, je suis Dr Fetus. Ça sort d'un jeu vidéo, je sais plus, en fait c'est le boss d'un jeu vidéo, ça m'a plu. Voilà. Et si vous, derrière l'écran, vous voulez qu'il change de pseudo, n'oubliez pas, faites un don à la chaîne. Si on arrive à plus de 50 euros, Dr Fetus change son pseudo, absolument. D'accord. Tout à fait. On prend le pari. Alors, le pari est pris. Il est fort. Il est très, très, très fort. Donc, écoutez, on peut dire aussi merci à Dr Fetus. Non, mais vraiment, que... faites quelque chose, parce que là, c'est vous qui pouvez faire changer les choses. Là. Il a apporté ses décors. Donc c'est ses propres décors qui viennent d'une entreprise qui, on va le dire, même si on fait pas de pub pour eux parce que oui, on n'est pas partenaire, mais on peut quand même le dire, c'est Urban Math. Urban Math, d'accord. Je croyais que c'était Game Math, mais c'est Urban Math. Tout à fait. D'accord. Bah donc super, super décor en résine, très lourde, mais vraiment vraiment très agréable. Le tapis de chez Torek Accessories. Très très beau tapis, qui a un super beau rendu, vraiment aussi bien pour du battle que pour du 40K, celui-là il marche super bien. Donc merci à Torek qui est donc aussi un partenaire de la chaîne, vous avez moins 10% chez Torek, les liens sont dans la description, et moins 15% si vous êtes tipeur de la chaîne. On va aussi remercier bien sûr ProxyWar qui nous aide et nous finance, c'est un partenaire de la chaîne qui finance la chaîne. Donc voilà, je ne sais pas comment on dit, un mécène presque. On en est là. Donc merci beaucoup à ProxyWar, n'hésitez pas à aller sur leur site, vous y verrez plein de choses, aussi bien des sous-socles que des accessoires de jeu, que des décors et aussi des figurines en résine qui sont super belles. D'ailleurs, tu en avais une récemment. Si toi tu aimes l'homme bête, va sur ProxyWar. Et puis bien sûr... nos amis de Click 29 avec Manu, vous voyez souvent dans les vlogs, c'est un des deux vlogs, donc de toute façon vous le voyez tout le temps. Donc Manu de click29-hobby.fr, magasin à l'Andivisio en France. Et là encore, vous pouvez l'appeler, faire des précommandes, ainsi de suite. Et vous avez moins 20% si vous êtes tipeur de la chaîne, donc là c'est super bien. Merci beaucoup à tous ceux d'ailleurs qui nous soutiennent, à ceux qui sont abonnés à la chaîne, ça c'est bien. Mais alors les tipeurs, merci à eux. Et donc merci à vous deux. Merci à toi de nous avoir reçus. Mais c'est normal. Bon, et merci Dr Fetus quand même. Merci Marcus. Alors voilà, cette vidéo de rapport de bataille est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous rappelle que cette partie n'a été possible que grâce à nos partenaires et surtout grâce aux tipeurs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et surtout à la partager autour de vous. On se retrouve très bientôt. Et là, vous le savez, c'est une continuité jusqu'au mois de décembre pour des rapports de bataille dans le cadre de la guerre pour Tullianum. Qui sait? On ne sait jamais. Il peut y avoir un rattrapage. On ne sait pas. Un miracle. Un miracle. Il y en a toujours. Donc, la guerre pour Tullianum. Donc, ce tournoi. Premier tour, il y aura donc 4 parties. Puis après, donc, nous avons déjà notre premier qualifié pour les demi-finales. C'est André Carré. Il est trop content. Il kiffe. C'est génial. Et c'est pas volé. Et c'est pas volé, voilà. Très bien défendu. Non, vraiment. Donc merci encore à vous deux, les gars. 68 à 72, on le rappelle. Victoire ici des Drucari. Toute petite victoire à l'arraché au dernier tour. Bravo encore à toi, Mercus. Et merci beaucoup parce que c'était vraiment un vrai plaisir. Merci à toi, mon cher ami Erwan, parce que c'était vraiment un vrai plaisir aussi. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, en attendant, que sans maîtrise, la chagrin n'est rien.